Cause we can't trust ourselves Bienvenue au French Cast. Eh, hey, ça fait plaisir. En anglais ou en français? En français, français. Ah, ok, on peut ouais. faire les deux, mais ça ne me dérange pas. Ouais, la dernière fois que j'ai fait les deux, le monde était vraiment offusqué. Oh, yeah! Ouais, ouais. C'était Jay Why? Du Temple. Et par parce qu'on ne se connaissait pas très, très bien. Puis okay. lui, il me parlait. Si j'ai mon accent, ouais. alors il changeait pour me parler en anglais. On fait ça, les Québécois. Hein? Quand on entend quelqu'un parler en anglais, on veut parler en anglais. Mais c'est parce qu'il était gentil. Ben oui, on est fin. Oui, mais le monde <laughs> était fâché. C'est un podcast en français. Pourquoi est-ce que Jay essayé de nous montrer euh, qu'il parle en anglais? Okay, c'est pas ça qu'il essaie de faire. Ben non, Il, il voulait juste, juste... être cool. C est, c est... <laughs> il voulait juste être gentil avec moi. C'est ça. Mais ça, non, ça marche. Je suis vraiment fasciné par toi. Comment ça encore? Parce que tu as fait quelque chose que habituellement, moi, je dis, c'est impossible. Quoi donc? Gagner sa vie sur Internet. <laughs> ça, c'est la première <laughs> avant. Mais parce que toi, quand tu avais commencé dans, on va dire, euh, pas Showbiz, mais le monde technique, tu sais, ouais. avec euh, tout, toutes les choses qu'on a maintenant, toi, tu as commencé euh, Musique Plus, av avec les médias traditionnels. Oui. Mais t'es quelqu'un qui n'a pas arrêté puis t'as pas dit non, c'est ça le monde, puis j'arrête. pas. » ne faut pas là. arrêter. Tu peux pas t'asseoir sur tes mains et dire le monde va s'adapter à moi. C'est pas de même, ça marche. Le monde évolue, puis si toi, tu n'évolues pas tu restes pris dans un espèce de cercle là, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas mourir, tu vas disparaître. Puis ça, c'est important de le comprendre. Là, tout le monde se pète sur TikTok en ce moment. Ouais. Si TikTok ferme demain, toutes ces vedettes-là vont faire quoi? On, on a déjà discuté ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont danser dans la rue, sans caméra. C'est ça. Mais c'est pour ça que alors, le 500 000 ou 1 million de personnes qui te regardent sur TikTok, ça vaut quelque chose tant que TikTok est là. La journée que ça meurt, c'est fini. Moi, j'ai eu une frousse récemment avec Twitch. Là, Twitch ça fait 10 ans, moi, que je fais, 11 ans là, que je fais du Twitch. Et Puis on est rendu, j'ai 30 000 followers, ça va super bien, ça roule, puis je gagne ma vie avec ça parce que je fais du placement de produits. Par exemple, si, euh, euh, mettons que cette compagnie, Tim Hortons, nous commande, alors je vais mettons que tu bafouilles, « Oh, c'est un moment de bafouillement, une gracieuseté de Tim Hortons. » Je ça. Je une gorgée, je fais du placement de produits. Ça, je suis payé pour faire ça. Dans mon écran en arrière, j'ai des gros logos de compagnie, tout le kit. Mais Twitch a décidé, il y a quelqu'un d'un un meeting, un nouveau, là, qui vient d'arriver. We're losing money, let's do something. Ils n'ont plus le droit de faire de pub. S'ils veulent faire de la pub, on les met dehors. Mais ça, c'est ridicule. C'est eux qui donnent du contenu. Bien, c'est nous le sang de cette affaire-là. L'oxygène de Twitch, c'est les twitchers. twitchers. Mais là, euh, ce, ce, dans ce meeting-là, ils ont eu une bonne idée. <laughs> Mais là, les gros Twitchers, on s'est tous réunis et on a dit fuck it. Si tu fais ça, on s'en va sur Kik. Ouais, ouais, on, je, on vient de créer un compte. Regarde ton adresse, mais Kik, c'est spécial un petit peu, parce que le background des gens qui ont ça, c'est un petit peu shady. C'est des gamblers, hein, c'est des, des casinos? des gamblers, puis okay. euh, moi, à un moment donné, si je dis à Intel, on s'en va sur Kik, quand ils me cherchent, ils tombent sur un blowjob. De, oh, ils ont ça dessus. Il euh, okay. y en a aussi, il y en a, il y a toutes sortes d'affaires un peu louches. Puis tous ceux qui ont des idées peut-être d'extrême droite sont là-dessus aussi, okay. parce qu'ils n'ont on, plus de place pour aller se exprimer leur, leurs opinions, tu sais, qui sont, qui sont les leurs. <laughs> oh, moi, je pensais que comme Twitch, mais oh, ils ont copié Twitch. Ils ont copié Twitch. C'est la même affaire, sauf que tu as le droit de gambler. C'est ça que je pensais était la différence. Moi, je savais pas s'il ouais. y avait des contenus extrêmes. Oh, oui, ça, ça c'est C'est douteux, c'est hein, un peu C'est difficile, ça, comme tu as dit, ah, pour ouais. les commanditeurs. Mm -hmm. parce que n'importe qui peut tomber même sous ta vidéo, il regarde ah oh ouais, on veut voir comment c'est allé son pub. Et après les suggestions. Ah, oui, oui. Quelqu'un qui se fait soucier. <laughs> ouais. oh, non, non, on veut pas non, dire. ça. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est délicat, tu sais. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas tu mettre tes œufs toutes tes œufs dans le même panier. Puis ça quand j'étais à musique plus, j'avais été voir mon boss Pierre Marchand à l'époque, puis j'avais dit Pierre, il y en a un qui s'appelle computer. C'était une espèce de, de, de grosse patente d'Internet où tu avais des nouvelles de rock, des nouvelles de jeux vidéo, des nouvelles artistiques de tout genre. Ça coûtait 50$ par mois. J'avais dit à Pierre, regarde, on est un fil de presse, là, la presse canadienne, combien ça te coûte pour avoir ces nouvelles-là? C'est cher, on ne peut pas avoir ça. J'ai une alternative, 50$. Il dit Canadien ou US. <laughs> US. C'est ça la différence. Hein? <laughs> C'est ça. Il dit non. Il fuck it, euh, On est quand ça va bien de même. Mais tu sais, il était tout, fermé tout le temps à ces nouvelles patentes-là. Puis moi, je, au contraire, j'ai dit, moi, le payer, le 50$. Fait que j'avais des nouvelles avant tout le monde. J'avais des affaires. Le matin, je me pluguais. J'avais comme une personne virtuelle à qui, dans le temps, on ne connaissait pas ça. Je pensais que je parlais à quelqu'un pour le vrai, qui m'envoyait des nouvelles. T'en veux-tu d'autres? Oui, show, shoot-moi ça. Savais-tu que telle affaire, telle affaire? OK, là, j'imprimais ça. J'arrivais devant faire mes rock flash. J'avais toutes les nouvelles, man. C'était écœurant. Là, tout le monde capotait. Comment se fait-tu sais ça? CompuServe, man. Computer. Puis c'était déjà automatisé. Alors tu pouvais parler avec quelqu'un comme maintenant avec le AI est qui un est le chatbot. C'est ça. Il y, ça. ça hein? Il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça. C'était les balbutiements. C'était pas aussi précis. tu sais. Mais ça, ça fonctionnait très bien. Mais c'était à 50$. Puis la journée que je suis arrivé dans le studio, je leur ai dit écoutez, là, l'Internet, là, là, ça s'en vient. Il faut faire une page Web. Parle-moi de ça. Fait que, ouais, ouais, ça pognera pas, ça ça pas. Tu vas me faire dire que l'Internet, ça pognera pas? Moi, j'ai une joke à propos de ça. Je connaissais quelqu'un avec ses restos qui me disait ça comme, This Internet thing is gonna blow over. Puis j'étais choqué. Ben, moi aussi. J'ai dit, ben, voyons donc. J'ai dit, OK, on va faire affaire. Donne-moi accès à la page web, je vais faire la mienne. Ça va s'appeler Monsieur Net. C'était écrit en jaune sur vert. <laughs> tu sais, le temps, c'était hot. On faisait nos nouvelles. On rentrait ça là-dessus. Là, ils se sont rendus compte que le monde, ils ont regardé un site, ils, ils ont vu mon site, ils en ont fait un petit. Tu c'était comme en attendant pour réserver leur place, comme ils était là. On avait une présence sur le web. Mais ils se sont rendus compte que, hey, le beau son affaire, ça marche, là. Il y a du monde en Christie là-dessus. Fait que là, ils ils ont pris site, mon site à moi. Ils l'ont mis dans leur site à eux autres. <laughs> c'est ça leur plan? C'est ben, le... quoi? Euh, Moi ils ont fait quelque chose. Ils ont fait de quoi? Tu sais? ouais. Fait que euh, plus tard, ben, ils se sont rendus compte que ça pognait, puis là, le site web s'est développé. Mais la, la meilleure que j'ai vécue avec un de mes patrons, c'est qu'il est arrivé à m'en a qu'une pile de dossiers. Il dit ça, c'est des artistes, là, ça, c'est les A. La semaine prochaine, on va faire les B, C D jusqu'à Z. Là, Pour les rentrer. Les bio, là. Tu vas mettre ça sur Internet. J'ai dit, il n'y a pas une machine magique, là, tu ne peux pas prendre, c'est pas une photocopie, il faut que je tape chacun des trucs, que je place des photos. Puis, ce pas comme aujourd'hui, faire fait un site web en 30 secondes. C'est que c'était vraiment compliqué avec les balises. Puis, d'autres, je le... j'ai tu comprends pas comment ça marche, on ne peut pas faire ça de même. C'est une job à temps plein, tu en as pour trois ans. <laughs> wow, ça, c'est extrême. Fait que euh, l'idée est tombée. Mais, tu la, la, la patente là-dedans, c'était, moi, je voulais toujours être à l'avance de ce qui s'en venait sur la vague. et puis, puis, pas me faire arroser par la vague, mais vraiment la crise, vague-là, j'ai eu une, une autre bonne idée. J'ai dit, OK, là, on va faire une affaire, les gars. Pour Monsieur seulement, on va prendre des caméras, on va les mettre dans la grille d'éclairage. Puis les gens à la maison vont la contrôler, cette caméra-là. Pendant le show, ils, ont, ils vont chercher leur plan. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était, écoute, c'était en 92, 13, 14, je sais plus dans ce coin-là. Les premiers balbutiements, c'est les balbutiements d'Internet. Ça commençait. Je rencontre un gars qui arrive avec une machine Linux. Juste pour que tu saches comment tu étais avancé avec tes idées. Euh, ça, c'était quelque chose que, dans fin, on va dire même 2000, Open Anthony sur Sirius XM, il commençait à faire ça. Alors, tu avais fou, hein? presque 10 ans d'avance ouais. sur le show qui était le plus innovatif dans le temps euh, aux États-Unis ouais, euh, pour la radio. Puis, et, honnêtement, je les connaissais pas, ces gars-là. Tu sais, moi, <laughs> moi c'est une idée que j'avais eue. Mes idées, moi, je les ai dans la douche. Ce pas compliqué. Quand j'ai perdu ma job à Musique Plus, là, ma blonde, elle m'a donné un crayon, tu sais, qu'on peut écrire puis effacer. Ah, oh, ouais, ouais. Puis on a des douches en vitre. Elle dit là, tu vas prendre une de tes douches puis prends des notes. Vas-y, go, Denis. Parce que je, quand j'ai perdu ma job, je me suis ramassé le lundi, j'avais plus rien. Qu'est-ce qu que je fais? Ça, c'est une parenthèse. On va juste revenir finir la caméra de ça. Ouais, ouais. Fait que, On installe la caméra. Euh, avant de l'installer, j'encontre le gars, un, un nerd, un vrai, euh, qui arrive avec sa boîte Linux, là, avec son ordinateur. Il dit euh, bon, Tu mets la caméra là, puis la maison, regarde, on est sur le web. Ils vont là, la caméra se tape, ça va en haut, en droite, de bas à gauche. Je suis tab, maintenant une bonne idée. Pourquoi tu ne mets pas ça sur les réseaux routiers, man? Marguerite, il fait comme toi, il fait comme. OK, ça reste là. On installe la caméra. Nous autres, on joue avec ça. À un moment donné, on est obligé de l'enlever parce que, bien sûr, Internet est ses trolls. Il <laughs> y a une vieille jet à un moment donné qui, qui a mal au ventre, fait que ça se rentre les mains d'un culotte, puis elle fait ça comme ça. Bien sûr, ils ont fait un screenshot. Oh, <laughs> non. Alors là, on est obligé de limiter le champ de vision autour de M. Net seulement, notre, notre îlot de travail, parce que les autres avaient peur de se faire ça harcelé, harcelé au... par les trolls. Merci d'être là, les trolls. C'est super cool. Euh, fait que pour revenir à mon gars, il, il fait sa face, euh, puis à peu près deux ans après, on entend que le ministère des Transports vient de signer un gros contrat avec quelqu'un de plusieurs millions de dollars pour installer des caméras contrôlées par le ministère des Transports pour checker le truc. Tu sais, c'était... Tout est affaire. à faire. À cette période-là, il n'y avait rien vraiment d'établi. On établissait les, les bases. Faire du chat en direct, là, on était les seuls qui faisaient ça parce que les autres avaient peur. Il avait peur de quoi? Il euh, avait peur des trolls. OK, sauf les trolls. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais nous, on met, on nous appelle les polices dans le temps. Aujourd'hui, c'est rendu des modérateurs. S'en met des polices qui sont là, puis qui checkent. Moi, je te garde, je vais en chercher une dizaine, ils vont checker ça, puis il n'y a pas un mot qui va être croche, qui va sortir. Fait que ça, il était là, les tickets puis il checkait. Il a du fuck, bam! <rire> 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 fait que tout ça, ça a marché. Puis là, l'autre émission qu'il y avait, c'était euh, La revanche des nerds, qui est sortie en même temps, plus tard que nous autres, et les autres, y avaient de l'argent. Ah! Oh, Donc, okay, des budgets, eux autres. Ah ouais? Oh, c'est Belle qui était en arrière de ça. Puis, il y avait du cash. Nous tu as bien pas. utilisé le cash? Ah, écoute, moi, je suis allé faire l'émission là, puis ils m'ont invité à m'emmener, tu sais, parce que Belle venait d'acheter Musique Plus, puis c'est la grande famille, hein? entends tu sais. T'entends-tu les violons? T'entends-tu les violons, tu sais? Mais avec un parent de la famille qui avait plus d'argent <laughs> que d'autres, puis c'est eux autres qui l'avaient, le cash. Ils m'ont invité là, fait que là, je suis de faire une entrevue, c'est supposé durer 3 minutes 37. Pas une seconde de moins, pas une seconde. Il faut que ça rentre là, dans, la, dans, dans leur pacing. Oui, comme toutes les familles. <laughs> <laughs> J'arrive là, là, je commence à niaiser sur l'éclairage. Waouh, wow! Sac! T'en as du spot, t'sais? Moi, j'en ai trois! <laughs> je me suis mis à niaiser, le monde riait. Puis finalement, quand j'ai regardé l'entrevue, ils l'ont coupé à une minute et demie <laughs> parce qu'ils ont tout enlevé les gags, ils ont tout épuré ça. Puis eux autres, ils faisaient un faux chat. Il y a quelqu'un qui passait la journée à écrire un chat. Là, ils faisaient rouler ça dans le Karen, une machine là, qui met des tit titrages, puis ils faisaient rouler ça. mais C'était même pas vrai. C'était pas vrai. Là, on riait de tout ça, toute la quête. En tout cas, puis à un moment donné, ils ont fait un gros, gros concours. Euh, ça s'appelait la, reven... euh, la bataille des titans. Okay. Nous autres, on était un titan, puis eux autres étaient un titan, puis c'était la bataille, les deux, dans un jeu qui s'appelle Call of Duty. Ah ouais. Ouais, ouais. Puis moi, ben, j'ai juste les meilleurs du Québec avec moi <laughs> dans mon équipe. T'sais. Puis eux autres, c'est les animateurs. Puis, puis moi, je me suis rendu compte que ces gars-là, ces filles-là, ils ne jouaient pas il parlait de ça il ben... parlait bijoux pas fait à un moment donné, on, on courait on avait tous nos couteaux on courait derrière des gars <laughs> là ça a fini Il fallait que ça finisse égal on s'est fait avertir on veut pas que vous nous humiliez ça c'est pas bon pour la chaîne c'est pas bon pour personne c'est des boss qui disent ça c'est bon pour la <laughs> chaîne moi. laisse nous on, humilié, on aurait gagné 25 à 2 là euh, parce que j'ai tombé en bas de l'échelle puis je suis mort mais ouais, <laughs> ouais, ouais. mais là, finalement on a fini ça 25 à 25 mais on a j'ai été chanceux parce que le gars il me tire je meurs, puis la balle passe à travers moi parce que je suis, euh, je suis mort. Celle qui, qui a peut-être le point égalisateur passe à travers moi parce que je suis mort. Mais va tuer un de nos gars qui est en arrière. Ça a fini 25-25. On aurait vu programmer ça. Là. là, il était content. On est égal à Monsieur Nett. Bullshit. <laughs> oh my god. J'aime pas ça. Ah. On essaie de sanitiser toutes les affaires. Je, je déteste ça. Ben, c est, c est, ils n'ont pas compris l'Internet. Puis encore aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Euh, pour eux autres, un podcast, c'est de prendre une émission de radio puis la déposer. C'est pas ça, un podcast. Ouais. Un podcast, c'est ce qu'on fait là. Je, je vois ça euh, au début quand il y avait Radio Cannes, ils montaient les balados. Puis moi, j'étais comme, oh, peut-être qu'ils rentrent vraiment dans les podcasts. Puis je suis comme, c'est juste une émission de radio. Oui, avec les pauses au même moment. Puis même moment. Puis, comme euh, à la radio, ils disent pas qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Non. Ils n'ont pas de vraies discussions. Non. Puis ils se voient gros comme le bras. C'est ça, ça Radio-Canada. Mais c'est correct. Mais c'est pas ça un podcast. L'essence des podcasts, c'est que tu parles les caméras. Dans le temps, c'est les micros. Tu parles les micros. Puis, what's your beef? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te fait triper en ce moment? Hey, je suis allé voir un film. Tout le monde dit que c'est bon. Moi, j'ai pas aimé ça parce que. Mais dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé ça. Puis, il y a des gens qui ont la même opinion que toi. Exactement. Puis, ils vont s'identifier à toi. Dans les jeux vidéo, ça a été la même affaire. Moi, quand je disais tout le monde. Je disais, critique, 9 sur 10. Hey, est-ce que vous avez joué au même jeu que moi? Là? Parce que ça, c'est une copie conforme de ce qu'on a vu dans tel, tel jeu. Peut-être que je ne vous avais pas le background pour, pour ça, mais voici des exemples. C'est la même maudite affaire qu'ils ont pris et amélioré. Fait que ne pas dire que c'est novateur, c'est nouveau, c'est frais, c'est jeune, puis c'est la nouvelle shit. C'est comme C'est la copie. Je fais comme toi, puis moi, dans le temps, euh, en 2000. Six, je pense, ou ouais, 2006, je commençais à travailler pour une compagnie. On, on testait les jeux vidéo. Ouais. C'était juste à, quelques années avant que je rentre à EA. T'étais-tu à Mont-Roland? Euh, non, j'étais... Euh... Il y avait une place à mont où on allait tester des jeux. Ils nous payaient là, puis on rentrait. Euh, écoute, ils gardaient les cellulaires, toute la kit qui était ISO 9002, quelque chose. t'as souviens-tu de ça? Non, moi, hum. moi c'était sur... C'était où? Euh, le, le Sun Life Building. Mm -hmm. Juste là-dedans, 20e étage, okay. euh, VMC, ah, dans je me souviens de ça, VMC, ouais. Ben ouais. Puis j'étais là au début, j'étais un des premiers employés, euh, puis je commençais à tester des jeux. Pour moi, c'était du fun au début, je commençais à l'aider une équipe. Puis après, tu commences à détester les jeux, ben quand oui. tu les testes trop, ben puis oui. tu vois quand les développeurs s'en foutent. Puis après, je travaillais pour EA, puis moi, j'avais une background vraiment dans les jeux vidéo, puis pour des années… Presque six ou huit années, j'ai arrêté de jouer. Je ne pouvais ouais. plus jouer. Puis moi, ouais. j'adorais ça toute ma vie. C'est comme le gars qui fait de la pizza toute la journée. Il n'arrive pas chez eux. Il mange pas une pizza. T'sais. Non. Puis ce pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu commences à comprendre aussi que c'est pas un bug, c'est un feature. Là. <laughs> ça, ça arrive ça, beaucoup. C'était un peu trop ouais. souvent pour moi. Ouais. Puis moi, je faisais des rapports vraiment exhaustifs. Regarde, telle affaire dans telle map, à telle place, devant telle... avant telle porte. Je peux rentrer dans les textures et tuer tout le monde. J'allais à la version finale. Puis c'est encore là. Mais ça, c'est quelque chose que tu. Tu tu veux pas ça, ça brise le jeu. Tu sais, euh, le gars qui m'envoie le jeu Planète des singes, Planet of the Apes, distribué par <coughs> ruby dans le temps. Ah. À vos souhaits, monsieur. <laughs> Donc, et le jeu, euh, c'est des singes. Tu les humains sont pris par les singes, comme le film. mais Les singes ne sont pas capables de monter sa table. Ils ne sont pas capables de monter nulle part. <laughs> ils ne grimpent pas, ces singes-là. Ils ont perdu leur gêne de grimpage, je ne sais pas. <laughs> fait que toi, tu un humain, puis là, tu te promènes, tu te mets à quatre pattes, puis tu te vois plus. Tu es devenu invisible. Je dis, voyons donc, c'est ridicule. Tu ne ouais, peux, peux pas lancer ça. Je donne la cote sous-vert. <laughs> vraiment, tu sais, je, comme si c'était ouais, ouais. pas zéro, c'est vraiment sous -vert. Ça, Ajoute-le, pas des sous verts, ça va être merveilleux, mais sinon, je joue pas à ça, c'est de la merde. Et La menace de poursuite, puis tout le kit. Genre, du Ubisoft? Non, de, du, le gars, le, que lui, il avait importé ça. <laughs> il avait eu un deal à quelque part, mais lui, <laughs> tu pas un gamer. Il a dit, j'ai une opportunité d'affaires, je vais acheter ça. Fait que là, les avocats m'appellent, puis ils me disent Donnie, on a une poursuite en diffamation pour atteinte à la réputation de. de... J'ai une minute, là. j'ai pas diffamé personne. Je parle d'un jeu qui est bourré de bugs. En 28 minutes, j'ai trouvé, euh, je pense, que en 200 trucs bugs. <laughs> C'était l'enfer. Je dis on n'aime pas ça. Ça a été la même chose avec Eden and Dangerous. Un jeu de guerre avec les Allemands, tu es dans un camp de prisonniers allemands, les bergers allemands mordent les tanks, les tanks explosent. Pardon? <laughs> là, tu dis what the hell? Ça, c'est une feature de Planète des Singes, là. <laughs> non, en tout cas, c'est. Oui, ils ont copié ce Planète des Singes, exactement. Fait que je pense que c'est ça pour moi, un podcast, c'est de dire que. Voici ce qui ne marche pas, voici ce qui marche. Tu peux le faire dans n'importe quel domaine. Il y a des gens qui vont faire du fitness, il y a des gens qui vont, faire, ils vont parler de tatouage pendant deux heures. Puis il y a 200-300 personnes live qui les écoutent. C'est des passionnés de tatouage. En ouais. cuisine, la même chose. Il y en a qui traitent plus sur les filles dans les bains tourbillons. Ça arrive-tu encore sur Twitch? Je pensais qu'ils oui, voulaient changer ça. les règlements. Il y a encore ça, mais il y a une section maintenant, bains tourbillons. Il y a une section <laughs> juste oh, pour Ça, c'est fantastique. Ben, écoute, et, est... sauf que un comme je... Ces filles-là, ils ont d'autres avenues possibles. Il y a les only fans de ce monde. Ils s'en servent également pour faire de la promotion. Ils sont pas connes, les effet. Malgré ce qu'on peut penser, non, non, elles sont ouais. plus riches que toi puis moi, mais Je sais, j'en connais. Ben ouais, ouais c'est toute une business, ouais. C'est une business. Puis, écoute, ils, ont, ils savent que ils vont avoir une certaine beauté pendant un certain nombre d'années, vraiment. On tu sais, maximise. On va maximiser ouais. ça. Puis. Euh, après ça, ben, on, on recrutera, je ne sais pas, on fera d'autres choses. T'sais. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le gars qui voulait te poursuivre à cause de défamation? Ben, finalement, on a regardé le tape parce que moi, j'enregistre tout le temps mes, mes, mes trucs, euh, quand mon gameplay. Puis là, je souligne les, les erreurs. Avec, à 38 minutes, il y a ça, à 22. Fait on, on a jasé avec les avocats. Il n'y a, il a, a pas aucune cause. Tu n'as pas diffamé, tu as parlé d'un produit. S'il l'a l'envoyé, c'est pour que tu fasses une critique parce qu'il sait que tu fais ça. Aucun problème. C'est tombé à l'eau. Ok, c'est ça que je pensais, ouais. Mm. Mais tu vois, ils voulaient te faire peur. Oui, ben oui, hey. souvent, souvent. À un moment donné, je faisais du… Euh, ça, c'était drôle. Je faisais aussi euh, la consultation pour les gens qui veulent faire du, du capital de risque dans les jeux vidéo, tu sais. Okay. Fait que je suis engagé par une banque. La banque a dit « Lui, venons le voir, J'arrive avec. Il y a une compagnie, il nous demande telle affaire, telle affaire, autant d'argent. » Puis c'était des gros montants, tu sais. Fait que là, je rentre là, le gars, il dit « Viens, on va aller au café en face. » Non, non, je ne non, vais pas aller au café en face. Mais je veux voir ton studio, je veux voir ce que tu fais, je veux voir le jeu. Montre-moi ça. Je veux parler avec du monde en dedans. On va aller au café en face. Puis là, il ouvre son veston puis il, fait, il me donne un petit enveloppe. Euh, J'ai dit bon ben on va on va prendre une pause <laughs> deux secondes. je, 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 vais, je vais quitter. Puis, on se rappelle peut-être. Je suis parti parce que moi, je ne sais pas si c'était un test de la banque. Je ne sais pas si c'est… Je rien, moi, puis rien. Puis, là, j'ai dit bye-bye. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces gens-là. Tu vois, il y a des gens qui sont croches, qui vont essayer des affaires toujours croches. Puis, il y a d'autres qui sont honnêtes. Moi, je préfère bien dormir le soir. C'est pour pas être inquiet un peu de ce qui peut arriver. Sinon, tu vas détruire tout ce que tu as construit. Imagine-toi que la photo, au moins, qui prend l'enveloppe. Chantage, n'importe quoi. La banque, c'est un, un setup de la banque, voir si je suis honnête. Je suis fini après au niveau crédibilité. Fait que, si tu penses à toi, tout ce que tu as fait pendant des années. Ça prend une seconde, oh, C'est affreux. Ça prend une seconde, tu es fait. Non, mais t'as pas besoin de ça. Non. 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 Honnêtement, non. Ça léchant, par exemple. Tu te dis, OK. Ah, oh, ouais, je sais pas combien ouais, il y avait ouais, là-dedans. C'est là, en manchard, ouais, que, Combien il m'offrait. <laughs> mais tu sais, qu'est-ce qui m'énerve? Si tu es honnête, on peut faire notre critique, on peut faire n'importe quoi. Honnêtement, tu peux mmh. me payer puis ça va aller bien. Oui. Pourquoi est-ce que tu veux que ça soit croche C'est comme si tu sais déjà que tout ce que t'offres, il y avait Ça tu... avait... du vent son affaire. C'est ça. Tu sais. En tout cas, tu gars, veux que, que je fasse ça. quoi avec ça Non, c'est ça. C'est juste que je me mette dans une situation dans laquelle je, je serais plus capable de sortir jamais. Tu sais. non, non, tu veux pas de ça. Non. Loin, fait loin de je... toi. Moi, j'ai un, un petit gars, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Sam. Bonne fête, Sam. Puis on, on travaille fort là-dessus sur l'honnêteté, puis euh, la rigueur. L'intégrité. la rigueur, puis la, la, la persévérance. Il fait beaucoup de plongeons. Il est en l'équipe junior canadienne de plongeons et puis il va super oh, bien. Oh, félicitations! Ah, bien, c'est dur à lui parce que c'est pas moi qui plonge. Moi, je suis nerveux, <laughs> Nazastrad. <dans ce> <laughs> je le regarde aller puis il fait des choses incroyables. Là, il a commencé à quel âge? Cinq ans. Ouais, ok, ça commence jeune quand même. C'est lui là. Écoute, Moi, à un moment donné, je content. Avais-tu vu ça à la télé, puis ouais, comment je vais faire ça On écoutait une entrevue avec despati tu sais. moi, je le connais ça fait quelques années. Fait que j'ai dit papa, il connaît lui. Ah oui, il le regarde. Puis là, ma blonde vient s'asseoir elle dit ah si vous regardez le plongeon, je dis, oui, il est en train d'entrevue, il parle de sa carrière un peu. Ah, ok. Fait que là, il écoute l'entrevue. fait qu'à la fin, il dit papa, moi je veux faire ça. Papa, moi je veux faire ça. Ah, moi je suis content. Je fais des entrevues avec les gens, ça va être la fun. Non, non, pas ça. Il dit je veux plonger. Fait que Mablon l'a inscrit, puis finalement, de fil en aiguille, il en fait encore. Puis, il est euh... passionné. Ah, oh, man! Tu sais, il y en a qui vont te nommer tous les joueurs de hockey de la Ligue nationale, ils vont connaître les backgrounds. Lui, il va connaître tous les Chinois, euh, les, 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 les Américains, les Américaines, toutes les classes. Et de, de, de... Fais... qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont oh, de ouais. telle manière différente? Les Olympiques, en telle patente, il aurait pu gagner, malheureusement. Là, il y a eu la collusion avec les juges, puis là... Il, il connaît tout ça par cœur. C'est malade, c'est fou, oh, fou, ça Ah, ça, c'est cool qu'il a trouvé ouais. une passion comme ça. Ah, un... C'est une passion cool ben, c'est pas dangereux, ben, dangereux. Tout est dangereux dans le sport, mais je veux dire, c'est pas dangereux, c'est honnête, c'est cool. Une athlète, non, non, ouais. ce chapitre-là, mais c'est dangereux sur la plateforme parce que c'est en ciment cette plateforme-là. On a vu ce qui est arrivé à De sais, il s'est cogné la tête puis c'est il s'est scalpé ouais, littéralement. Ça peut, à chaque fois qu'il fait de la plateforme, moi, cette image-là me reste en tête aussi. J'espère que Puis c'est 10 mètres, c'est 30 pieds. Puis tu descends à 40 quelques milles à l'heure, 44 45 000 à l'heure, puis tu as 1000 décisions à prendre dans une seconde et demie. C'est malade. Là, je disais, comment tu fais pour arriver à enchaîner toutes ces vrilles-là, ces spins, puis arriver, puis pas faire de splash? Il dit, quand je plonge, j'ai l'impression que ça s'arrête. Il fait ses affaires dans sa tête, tout est décortiqué, puis il dit... Ça dure plus long pour lui. C'est ça. C'est weird, hein? Ça, c'est fascinant. C'est fou. C'est fou, Red. Puis là, il dit, je ne sais jamais la note que je vais avoir. Quand je sors de l'eau, je sors la tête, puis je regarde. Des fois, je suis content. Des fois, je suis moins content. Des fois, je pense que j'ai fait un beau plongeon, puis il n'est pas beau. Fait que c'est cool. c'est ça? Ah, man, on, il, il était en Angleterre, OK? Il a ramené une médaille. Je me que c'est l'argent ou la branche, Je ne me souviens plus. Puis moi, je suis chez nous sur Internet. On a mis à la TV dehors avec ma femme. Puis les voisins ils sont tous là parce qu'on est content. Hey, man! Je broyais. Mais ouais, bien sûr. Tu <laughs> sais, je broyais. Les voisins, ils savent pas ce qui se passe chez les Talbot. On va le faire un tour. Tu sais. C'est le petit Talbot. C'est le petit là, Talbot en Angleterre. Là, là, à un moment donné, il y a un silence dans le cours Il n'y a plus personne qui parle. Puis là, il plonge. Il <laughs> donne le shot tout le monde. Il chie, les chiens jappent partout. Il se demande ce qui se passe. Ça cool de le voir dans le futur, dans les Olympiques. Ou euh, chose. Écoute, je ne sais pas. C'est ça. Lui, il dit que. Parce qu'il est très résilient, mon fils. Quand il dit qu'il va faire de quoi, il fait. Son père. Ah ben je ne sais pas si, 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 si prend ça de moi, mais c'est une qualité qu'il qui, qui a. Et puis cette qualité-là va, je pense, l'amener loin. Parce que écoute, il va toujours voir la coach. Puis il dit, Isabelle, je peux-tu essayer tel plongeon? Ah Samuel. Non, pas de suite. En matin, un petit peu. J'aimerais ça l'essayer. Ah oui, ah ouais, donc s'il vous plaît, je vais l'essayer, je vais l'essayer. Finalement, elle dit, et hey, là, elle l'use. OK, fais-le, t'en fais un. On regarde, on. Elle dit, <laughs> dit, OK, dit, il, talent, euh, gars, ouais, il y a du talent, c'est quoi, oui? Des fois il manque, ça, des fois il manque, mais. Mais il essaye. Il n'y essaie, a pas ça. peur. Non. C'est le Zlatan Ibrahimovic déplongé. Ah euh, écoute, je ne sais pas s'il y a autant de talent, mais <laughs> il est très persévérant. Puis moi, je lève mon chapeau à ça parce que tu vas te faire dire non dans la l'envue. Tu vas, tu vas te planter. Il ne gagne pas tout le temps. Tu sais, tu arrives à un moment donné, tu vas faire une entrevue. T'en as fait des entrevues qui font point. point Tu vas sur une scène, tu fais du stand-up, tu vas sur une scène. Tu sais, tu sais, mais la crowd n'est pas là. Ça arrive. Moi, j'ai fait des animations, parce que moi, je ne fais pas du stand-up. Je suis un stand-up frustré, d'ailleurs. Ouais. <laughs> J'aurais aimé ça, faire ça, mais je suis pas assez anxieux, je pense. Peut-être <laughs> c'est ça, peut-être <laughs> c'est ça ouais, qui manque. Euh, non, mais sérieusement, des fois, j'anime des affaires. Tu le sais, ça prend 10 secondes, tu le sais. Tu mets les pieds sur la scène. Ouais, « hey, Salut son... tout le monde, paf, paf, la réaction. » Tu fais une ga un gag en partant, tu regardes comment ça marche. Tu dis « OK ». Je suis bien ici à soi, ça va bien aller. Puis là, tu testes, tu fais des silences, tu fais ton crowd work. Là, tu sais que ça va marcher parce que son, son souriant. Mais quand tu es évoqué, ils sont là puis ils jasent entre eux autres. Là, tu t'éteins dans la main, tes poumons, Tu dis, oh, fuck, ça va être longue soirée là. Pour toi, c'est plus utile que moi parce que moi, au moins, la majorité du temps, c'est dans une comedy club. Ouais. On sait pourquoi on est là. Ouais. Mais toi, des fois, tu peux faire une corpo où tu animes pour des gens et ils sont comme, ben, je m'en fous. Ils sont à sac, carrément. Mais à un moment donné, je me suis tanné parce qu'il allait jaser tout le temps dans le fond. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris des gros, gros haut-parleurs, j'en ai mis deux, avec des nappes par-dessus, ça valait l'air d'une table. Tu sais, des S2, là, des ouais, gros, j'en ouais. ai mis deux dans le fond. Fait que, m'en un moment donné, quand je, OK, tout le monde, c'est le moment de retrouver euh, vos places, ça va continuer. » Fait que là, tu prends un bruit donc sur les tableaux, « tu fais jouer oh. ça bien, bien fort. Là, son sont là en arrière. <laughs> Lui, déteste ce son-là. Lui, Prasadine, aurait, euh, aurait tombé par terre. Je peux te dire que 90% des gens n'aiment pas ça. Puis ils viennent ouais. se rasseoir. Puis ils ferment leurs boîtes après. Tu sais, c'est Mais tu sais, c'est de les surprendre. Tu sais, c'est d'essayer de, de changer. Puis euh, ben, tu sais, c'est des gags qui vont marcher une place. Puis l'autre place, ça marche pas. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours de même. Puis mané, il faut que tu continues. Tu continues. Le deuxième, il marche moins bien. Là, Tu dis, ah, OK. Là, tu sors une niaiserie, là, ça pogne. Dis, OK, là, je sais ce qu'ils veulent. Ça, c'est toujours difficile parce que t'es comme, c'est ça que tu veux. C'est ça, ça, ça que, que tu veux. veux. Fuck. T'sais, ça. Si je savais ça, il y a 10 minutes, j'aurais pas perdu mon temps. Ben non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, la, la vie, c'est ça. tu sais. Puis toi, Musique Plus, c'était comment? Parce que tu as dit, OK, euh, d'un jour à l'autre, j'avais plus de job là-bas. Ouais. Ils n'ont rien annoncé. C'est comme comment qu'ils ont fait ça? Parce que Bell Media, ils font ça maintenant à la radio anglophone ici à Montréal. Ouais. Ils ont coupé des têtes. Ah ben, c'était comment à Musique Plus? Écoute, euh, moi, j'avais euh, la chance d'avoir un boss qui s'appelle Luc Doyon. Luc Doyon, il l'appelait Terminator là, parce que lui, sa job, c'était de rationaliser les dépenses puis euh, de, de, de couper dans, dans le bois mort. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça, je le regarde, ça fait une semaine, là, puis il fait rien. OK, c'est qu -ce, quoi sa job? Euh, T'es pas capable de me dire c'est quoi sa job? Track out. Ah. <laughs> fait que lui, il était là, le papier. Mais à un moment donné, je me sois avec lui. Denis, il faut que je te parle deux secondes. Il dit, là. Comment ça coûte en papier et en crayon quand l'école arrive? Et ça nous a coûté cette semaine, ça nous a coûté pas loin de 6 000 de papier, de, de brocheuse. De, de, depuis, parce qu'ils ont fait les comptes cette semaine, là, puis depuis la semaine ou deux semaines avant, tout le monde s'approvisionnait parce que l'école arrivait pour fournir les trucs aux enfants. Ah oh ouais, ouais. Fait que, tu vois, c'était ce genre de gars-là qui était là pour couper partout dans toutes les dépenses inutiles parce que Belle s'en venait. T'sais? Puis il était sur le point de vendre, là, puis ça a été vendu. Mais de la façon que ça s'est fait. Euh, moi, c'est pas Belle qui m'a mis dehors, c'est euh, les frères Rémiard, les, les, les TQS. Ah oh ouais? Oui, c'était eux autres qui ont acheté avant Belle. Et puis parce qu'on était à Belle, ils ont vendu à TQS, puis TQ, euh, les frères Émiards ont revendu à Belle après, que c'est devenu nouveau. Oh. En tout cas, moi, ouais, ça. Il, il pas probablement une passe fiscale ou deux. Je ne sais pas. Je ne suis pas un fiscaliste là. En tout cas, ça pour te dire qu'à un moment donné, euh, je suis allé voir le boss, j'ai dit là que... On n'est pas contre. Ou puis moi, on sait que ça s'en vient. Lui, il savait. Euh, je te demanderais juste de m'avertir avant que je me, me revire de bord puis que j'avertisse aussi ma gang parce qu'il y, y en a qui viennent s'acheter des maisons. Il y en a qui sont enceintes, des filles dans, dans l'équipe. Puis euh, j'aimerais ça être capable aussi de me revirer de bord parce que je viens d'aller adopter un enfant. Puis <laughs> j'aimerais ça être capable de continuer à le nourrir. Et <laughs> sûr, ça hein? serait le fun. Fait que euh, tous les matins, on avait une petite meeting. Quand je passais devant son bureau, il m'envoyait la main. Ah, j'ai écouté ton show hier. Il n'a rien compris, mais les ratings sont là. Merci. <rire> <rire> c est, c est... Il était honnête, hein? Ah, ouais! Il était super droit, ce gars-là. Je l'ai apprécié beaucoup, beaucoup. Puis euh, à un moment donné, il m'appelle, il dit, il, il me paye, il montre juste la lettre. Je lui dit, j'ai dit matin. Fait que je vais aller porter mon bureau. Là, les gars, euh, là qui est allé à mon bureau, t'sais. il dit Denis, il euh, est -tu arrivé Il dit, il devait arriver dans une couple de minutes. tu dit OK. Euh, fait que là, je, je, je passe devant son bureau, je vais déposer mon manteau à mon bureau. Là, tout le monde est là, il y a un silence. Denis, qu'est-ce qui se passe? Lui qui est venu te voir, il avait une lettre dans les mains. Ah, ben j'ai dit, écoute, ça devait être aujourd'hui, je ne sais pas, je vais aller au meeting puis je vous reviens, tu sais. Je pars. Fait qu'il dit, euh, ouais, ouais, c'est pas ma décision. J'ai dit, OK, c'est les rémiors? Ouais, ouais. J'ai essayé de te garder dans l'équation, dans tu sais, puis. Euh, la, change, la, la station change de, de vocation carrément. Puis ça, ça va être sûrement être revendu. qui? il ne pouvait pas me le dire à l'époque. Je disais OK, fait que qu'est-ce qu'il te donne? vos ben, ressources humaines, c'est ça qu'ils m'ont donné, je l'ai pas ouvert. Il me donnait deux semaines. Ah, oh, ça faisait combien de temps qu'il était là? Euh, 26 ans. Fait que. Puis il a engagé quelqu'un pour nous mettre dehors. Ouais, ouais, ouais. C'est une firme de, de madame. La madame était corpulente, avec une espèce de, de énorme poitrine, qui tu sais, mmh. est était sévère, tu sais, euh, avec les cheveux courts, les petites lunettes quasiment avec les petites pointes sur le côté. qu'on dirait que des cornes de diable. Euh, bon, elle dit Monsieur Talbot, j'ai dit c'est Talbot, vous êtes ici depuis 26 ans et 9 mois. Okay. On vous offre donc deux semaines. Vous gardez le téléphone sous le votre ordinateur, merci. Pour... Pardon Non, non, terminé. Là, j'ai sorti mon téléphone. Bonjour, monsieur l'avocat. T'es pas loin, hein? De, de, viens donc ici, ils veulent me mettre dehors, puis ils me donnent deux semaines de préavis. Là, il dit Quoi Attends, j'arrive. Il est arrivé avec une, des boîtes de, de dossiers, puis tout le kit, il a mis ça à table. Ça, c'est des jurisprudences que moi, j'ai gagnées en cours. J'ai dit On peut-tu parler Fait que tu donnes le votant. mais ça, c'est fou qu'ils ont même essayé ça. Ben, ça m'a coûté 5 000 pour avoir le, 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 ce à, que, à quoi j'avais droit. Ils c'est parce que la plupart des gens sont démunis, sont sous le choc de perdre leur job, parce ouais. que ça, personne ne le savait, là. Quand toi, tu travailles à mise en onde, là, ils t'appellent, puis tu reviens, tu es tout défaite, tu plus de job, tu as, ta as petite boîte en carton, puis il y a des messieurs qui t'escortent. Moi, il m'avait engagé des gens à me mettre dehors. Tu sais, pour venir m'escorter dehors. Je vais être à j'ai 27 ans de stock ici, moi. Toi, les bras, là, calme-toi. Moi, je m'en vais à mon bureau, puis tu me toucheras pas. Si tu me touches, j'appelle la police, cest clair? En tout cas, ça, ça avait brassé. Ouais, ouais. Fait que j'ai annoncé ça finalement, je suis sorti quand j'ai eu ma lettre, J'ai monté sur le bureau, puis là, il n'y avait pas un mot qui se disait. J'ai dit, ça y est. L'équipe de monsieurnette, on y virait. Je vous recommande fortement de poster vos, vos, vos CV partout parce qu'on va tous y goûter. La station est à vendre. Puis là, ils font du ménage. Puis on, ils ont scrapé le show qui coûtait le plus cher. C'était année, parce qu'on, tu sais, on, ça ne en fait, ça fait je pas payer la même chose qu'un petit gars qui rentre euh, ou une petite fille qui rentre la première année. Hein, ça non, dire... mais c'était quand même un show avec les ratings. Oui, bien, c'est ça. Mais les autres, ils sont sacrifiaient. Ils ont pris des nouvelles... Tu comptable, leur affaire. Comment ça coûte? OK, lui, il coûte trop cher pour wow. ce qu'on veut faire. Bye-, bye. Fait que tu te ramasses avec des gens qui ont deux, trois, quatre enfants, qui, du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. T'sais. Fait que ça, ils n'ont même pas essayé de les replacer. Moi, j'ai essayé de replacer mon monde. J'ai essayé de communiquer avec tout le monde. Si j'ai appelé des gens que je connaissais, garde lui, il serait bon pour faire ça, ça te tend dessus, ça te tend dessus. Là, la décision revenait à ceux et celles qui étaient mis dehors, s'ils voulaient y aller ou pas. Mais je disais, garde regarde, dis lui, t'attends, va passer l'entrevue là, va jaser. T'sais. Fait qu'on a essayé, mais ça, ça, ça a été fait, c'était sale. C'est dégueulasse. Moi, je, je me suis jamais fait mettre dehors vraiment dans ma vie. C'est la première fois que ça m'arrivait. Quand le lundi arrive, là, puis tu t'habilles, puis tu dis, euh, tu sais, par réflexe, tu prends ta douche à la même heure, même heure que d'habitude. Ça fait 27 ans que tu fais ça. Là, tu te lèves. Là, tu t'assoies, tu te dis, « Je j'ai pas de job, c'est vrai. <laughs> » C'est bizarre. Ça fait drôle, tu te dis. Puis euh, ça fait un trou dans le garde-manger aussi parce qu'à un moment donné, ta as, as, as paye aux deux semaines, tu l'as plus, là. T'as-tu tombé dans la dépression euh, c'est là que ma me dit va prendre une de tes douches. Puis je pas de genre. J'étais, j'étais pendant une semaine, j'étais sur le cul. Tu sais, la robe de chambre, la barbe longue. Euh, Puis euh, là, c'était comme qu'est-ce que je fais Si je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire C'est là que ma a cette année. Elle dit là, je t'ai laissé une coupe de jour là, là äh, tu sais, lick your wounds. <laughs> ouais, Là, non, je t'ai plaies Puis ah ouais, dans la douche. Voici le crayon de la tank à haut, je m'en crisse, mais là, je veux retrouver mon chum. Tu sais, c'était comme un dou double ultimatum en même temps. Tu sais, faites quoi ou moi, je vais te calisser là parce que t'es plate. Mais t'as besoin de ça? Ben oui. Puis, ce fille-là, euh, elle m'a remis sa bonne voie parce que la douche a été payante. J'ai écrit 10 points. C'est quoi les points? Ah, écoute, c'est des, des trucs qui sont très personnels. Là, mais okay. parmi ces Des choses points, que tu peux dire qui t'ont aidé? C'est de, de sauter sur le téléphone puis de, de commencer à appeler les gens. Parce que dans ma tête, moi, j'étais fini. Là. Personne ne veut de toi, c'est ben ça, ça Puis le téléphone, m'attendait m'attendais à ce que le téléphone sonne, puis il vient temps. Il y en a un gars qui m'a appelé, euh, puis il y a la Radio X qui m'a appelé aussi, dans le temps. Là, je dis, Radio X ne jouissait pas d'une super bonne réputation, mais était meilleure que celle d'aujourd'hui. <laughs> fait que j'ai commencé à faire des... Dans le temps, c'était quoi? Radio... C'était une des, euh, des stations sur l'Internet? Non, ils étaient, eux autres, ils, étaient, ils, avaient, ils ont une antenne à Québec, et puis c'est quand même très populaire. Fait que je, je suis allé là, j'ai fait des, des chroniques avec... Euh, Dominique Morin, disons qu'on ne s'entendait pas bien euh, personnellement. Je pas été prendre une bière avec, okay. avec lui. Tu comprends? Well. Euh, fait que je faisais ma job, je faisais ma job. Puis à un moment donné, il dit, on est chanceux, on est les seuls à avoir une entrevue avec, euh, comment ça s'appelait l'ancien du euh, Parti conservateur? Le, 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 Stephen Harper? Avec Harper. On est les seuls à avoir une entrevue avec Harper. Il parle français, lui? Ah oui, il parle très oh, bien français. nice! Hein? Fait que, là, il dit, OK... Euh, vous êtes les seuls. Fait que moi, j'étais en, en stand-by au téléphone, j'espère que tu vas le soincer un peu. Il y a un silence. Monsieur est offusqué. Je dis pourquoi je le soincerais, c'est un excellent Il et il commence. Oh, okay, oh. Critiquer tout le monde, pourquoi euh, pas? pas. C'est ça, mais pas lui, lui, c'était son dieu. Ah, ah, <laughs> fait que, quelques jours après, j'ai perdu ma job. Ah, parce que tu ne voulais pas rentrer dans le secte. Non. Tu, on ne peut pas critiquer les politiciens qu'on qu aime, <laughs> qu'on supporte. Ah, bien, écoute, C'est ridicule. Mm. C'est pour ça que, comme tu as dit, les podcasts existent. Oh, t'as oh, vu ça? <laughs> mais c'est poussé sa chemise. C'est pas grave. Fait que c'est ça, non? Tu sais, tu... On, a, on a des t-shirts, si tu veux. Oh, non, mais Avec ça, ma face et la face de Mike dessus. <laughs> non, je vais regarder ça. C'est juste du café. C'est pas grave. Ça va tacher. Ça va ouais. être beau. Euh, fait que c'est ça, tout ça pour te dire que tu te ramasses devant rien. Puis dans ces points-là, c'était, OK, de faire de mon hobby ma job principale. Tu sais, mon hobby, c'était quoi? C'était faire des podcasts. Mais C'était quoi ton. C'est quoi la, le trajet le, le tra le tra pour trajet. arriver là-bas? C'était de dire, OK, euh, je vais mettre la même énergie que je mettais à, M à Monsieur Net dans, dans Twitch, puis je vais aller me créer une, une communauté, puis je vais être payé, je vais devenir partenaire de Twitch, puis je vais faire du cash. Puis à partir de là, une fois que j'ai mon partnership, ben je peux aller chercher des commanditaires, m'en mettre dans grosse TV en arrière, je vais faire du placement de produits, « Hmm, Tim Hortons, excellent bank. Cette tâche est gracieuseté de <laughs> Tim Hortons, tu vois. Pis ça t'a pris combien... Au début, c'était comment sur Twitch? Ah, c'était dur. Il n'y avait personne. J'avais 1000 personnes. Après ça, c'est... Euh, moi, après... Euh, oh, on à 2005. Puis là, là, tranquillement, j'ai fait des posts sur Facebook. Là, ça a monté tranquillement, tranquillement. Puis c'était pis... quoi les stipulations? Comme pour devenir partenaire, tu as besoin d'être ici euh, pendant 3 heures chaque jour. Exact. Ou... Faut que tu restes là. Faut que tu fasses au moins trois diffusions par semaine. Il faut une présence de trois diffusions par semaine. Moi, j'ai pris ça parce que j'espérais faire autre chose aussi. Fait que j'ai gardé ces trois semaines ces trois fois par semaine-là. Je me suis mis à, à écrire. J'ai écrit dans le Journal de Montréal. J'ai écrit euh, dans le journal Métro. Euh, j'ai fait des collaborations. Euh, j'ai essayé de. de j'ai du bien essayer de travailler avec Paul Arcand le matin, mais me lever à trois heures du matin, c'est dur en hein, maudit. T'sais, lui, je sais pas, c'est une machine. J'ai beaucoup d'appréciation pour ce, 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 le côté professionnel de ce gars-là. Il est solide. C'est un bon, une bonne personne aussi. Puis il m'a donné ma chance, mais je t'écoute. Ma mère. Elle, lui, c'est une des derniers vrais. Euh, ah, c'est un vrai de vrai. Ouais, un vrai, de vrai ouais. Ouais. Moi, je l'ai vu arriver euh, des fois à cause d'une tempête, un peu en retard, puis prendre la presse, puis d'y de, de, aller, de parler de politique, tourner les pages, puis de euh, faire des résumés sur le fly, pas préparé comme nous autres on fait pendant quatre heures. Là. Non, non, lui, c'est bang, bang, bang. Puis c'est un. C'est un bonze. C'est des dernier, ah, ouais, ouais, ça ouais. n'existe plus. Ah, des exact, gens comme ça. Exact. Fait que, il m'a donné sa, ma chance, mais euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai passé à côté. J'ai manqué mon coup. Je n'étais pas là. Je faisais musique plus en même temps. Je dormais une heure par nuit. Ça, ça, C'était trop tough. Puis j'ai dit, j dit, j dit Pierre, euh, pas Pierre, je ne te rends pas service en ce moment. Je vais finir mon mandat. Euh, C'est pas pour moi. C'est trop dur. Il dit, ça, on appelle ça la cirrhose de la nuit. C'est dur la nuit. T'sais, t'sais. Ah. Ben, écoute, moi, j'arrivais là à 3 heures du matin, je s'assieds. De, de faire des nouvelles, puis je voyais rien. C'était <laughs> défini. À, ouais. j à brûler, brûler. Je brûlé, brûlé. Je, je me suis réveillé à donné, je, je m'emmenais de. En en, euh, où je reste à Longueuil, sur l'autoroute, puis ce qui m'a réveillé, c'est tu sais, les, les, les espèces de, de petites. De brrr, ah ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. OK, wake up. OK, Denis, je pense que c'est un signal, ça va. Écoute, tu vas mourir, tu va te coucher, ça pas d'allure. Fait que je pouvais pas manquer émotionnel, il fallait que je fasse le show. J'étais sur l'automatique en Simonac, comme tu le dire, puis là, il fallait que je dorme quelques heures, fallait que j'aille une femme, j'avais un jeune, un jeune, bébé dans ce temps-là aussi, fait que, tu sais, c'était comme I'm gonna die. Ouais, c'est trop. <laughs> Mais puis après avec Twitch, c'était comment le début? Ah écoute, euh, on a commencé juste avec la version, la version audio. Puis là ils ont dit ben nous on fait de la TV, fait que j'avais pas d'équipement, j'avais une vieille webcam, fait que je mettais ça sur les VU de la console, fait que là tu voyais euh, des VU qui parlaient, qui montaient, qui descendaient selon nos voix. Après ça, on a acheté euh, des webcams. Euh, une, deux, tu sais. À un moment donné, je dis fuck, je vais avoir des webcams. Je vais en mettre partout. Sauf que les webcams, quand tu les mets en Daisy Chain, euh, tout, tout le monde ensemble, ça tire beaucoup de jus sur un ordinateur. Ouais. Ça fait un show de diapositive, <laughs> tu sais, quand tu diffuses. Fait que là, à un moment donné, je reçois ben, un courriel d'un gars il dit Monsieur Talbot, je vous ai fait une ouverture pour votre émission. J'en regarde ça, c'est bien professionnel. Waouh, OK, je rentre en contact avec lui. Je dis merci beaucoup, c'est gentil. Mais ça reste là. T'sais. À un moment donné, il dit euh, je reçois un autre courriel. Il me dit Je vais être dans votre coin Il savait que je restais à Longueuil. Il dit, je vais être à cache au sport, à Longueuil, à telle journée. J'aimerais ça qu'on se rencontre. Fait que j'ose avec. Euh, là, j'ai un bon à, à cage au sport. Il y a des gars qui veulent me rencontrer pour le, le podcast. T'sais. Fait que je regarde ça, il y, un, il y a un camion. Il dit, ce camion-là, il est plein de stock. Je m'en viens faire un studio chez vous. J'ai dit quoi? Euh, Laisse-moi 10 minutes, je vais retourner à la maison. Je vais juste parler à ma blonde. <laughs> deux secondes. Cette personne était Yann Terio. <laughs> <laughs> non, mais c est, c est, cette personne-là, c'était Nicolas Landry. Nicolas Landry, c'est les frères Landry qui ont lancé, le père a lancé PQM. C'est une compagnie de diffusion web qui, aujourd'hui, diffuse tous les gros événements que tu vois. Tu sais pas que c'est eux autres qui les font, mais c'est eux. Ils diffusent des preachers, ils diffusent des conférences de presse, de médecins. Il y, a, il y a des rencontres aussi de dentistes. Une fois par année, les notaires, les dentistes se réunissent, ils ont les colloques. Puis c'est eux qui font ça? C'est eux autres qui font tout ça. Puis dans le temps, le père, là, ah, il avait une vision. C'est pour ça que je m'entends bien avec le père aussi. Il avait à peu près mon âge. Puis lui, il diffusait à l'époque, c'était à la grosseur d'un timbre faisait rire de lui dans le temps. Ouais, « Oui, on, on est bien trop petit, ça ne marchera jamais, ça. » Aujourd'hui, il a bâti cette, cette compagnie-là. C'est les fils qui ont pris la relève. Ils ont un studio absolument malade. Ils ont des régies, en, des petites régies comme on a ici, mais eux autres, c'est full equip, là, avec du ATAM, des caméras, puis tout le kit, le gros, gros kit. Ils sont tous équipés de même. Il y en a je ne sais plus combien, puis ils font je ne sais plus combien de diffusions en même temps de partout. Fait ils ont trouvé la, la, leur place et c'est une référence. Quand tu embarques dans, dans cette affaire-là, c'est comme embarquer dans une équipe de F1. Là, tu te dis, OK, quand je vais arrêter au pit, ça va me prendre une seconde, tout va être réparé, tout va être fait. C'est ça que j'aime avec eux autres. Puis j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui. Donc, lui, il débarque, puis il me dit, OK, on va commencer. Ça, c'est la version alpha de votre studio. Et vous voyez, gros, comme la broche. Arrête, Nick. Tu Arrête de me vous ici, c'est bon, gênant. Fait que là on est rendu à la sixième version qu'on fait là, au mois de fin juin. On change le studio encore, on l'avance un petit peu, on change d'autres affaires. Puis là je suis équipé, man, je suis mieux équipé que j'étais à la musique plus. j'ai <laughs> investi dans la production, dans les équipements. Ouais, t'as ouais, pas, pas, le pas le choix. Non, non t'as pas, pas le choix. T'as pas le choix. Tu sais ces petits spots là, c'est pas donné ça là. Non? Tu sais, les, les caméras, elles, elles coûtent 600, 400, 500, 600 pièces chaque. Euh, la, la console, la Thème, juste la Bebel, c'est 2500. Ça, c'est ça qu'ils utilisent euh, là-bas. C'est ouais. ça. c'est Quel modèle que tu as, as Tu as-tu la grosse, la Thème Extreme Pro euh, Ouais. La Pro ou l'autre avant euh, La Pro, mais pas la, la ISO. OK. Moi, j'ai la Pro ISO chez <laughs> OK? Mais ce qui est le fun, par exemple, c'est que lui, de Rimouski, parce qu'ils sont basés à Rimouski, puis ils contrôlent la planète, quasiment au niveau vidéo, c'est ça qui est drôle, euh, il peut prendre le contrôle de mon studio. Comme nous, on est en, en entrevue, moi j'ai deux mains croisées, Arrête. la console est là, je touche à rien, puis lui, il mixe, il parle les affaires, parle la vidéo. Il m'en une voix de Denis. OK, Denis, il reste 30 secondes. Puis là, tu sais, lui, il est à ça Rimouski. Est cool. mm -hmm. Ça, c'est cool! Ça, c'est fucking cool! Puis tout est en redondance. Il y a quelque chose qui plante. Ben Automatiquement, il y a quelque chose d'autre qui est en bas. Ça, j'adore. Ça, c'est le fun. Ouais. Puis sur Twitch, on n'a pas le choix. Tu sais, ça arrive. Là, j'ai le système de redondance. Il y a une mise à jour qu'on a faite. Puis ça a fait chier à patente. Excuse-moi. Fait que là, on travaille là-dessus. Fait que là, tu sais, ça se peut qu'il y ait des petits glitches de temps en temps. Ça Mais arrive. ça arrive. Mais c'est du live. C'est du... Mais c'est pour ça que c'est bon du live. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui C'est la, qu -ce la meilleure arrive? dope, le live. qu'est-ce qui est qu pour moi la meilleure dope? Qu'est-ce que tu viens de dire? Toutes les équipements. Moi, j'ai devenu passionné de ça. J'ai plein de stock ici, des choses qu'on a achetées pour être future-proof. Ben voilà. Tout ce qui est sorti la, la semaine passée, tu sais, le, le euh, de Road, le Pod USB, j'en ai acheté. Le stream euh, StreamRex, ben. on l'a même pas ouvert la boîte encore, on n'a pas besoin de ça, on fait pas de game streaming encore. Je l'ai moi aussi, j'ai eu ça. Juste encore, on est prêt. Ça, c'est mon setup de podcast. Quand je suis sur la route, quand je m'envoie quelque part, j'amène ça. Bon, quand, là, j'arrive du Brésil. Intel m'a invité à aller couvrir un, un événement au Brésil. Tu vois, ça c'est cool. Ben, c'est le fond dans maudit. Fait que là, j'ai dit, euh, j'ai besoin d'un caméraman. Fait que là, un de mes chums, qui dit, je suis pas caméraman, mais je peux y aller, je suis disponible. Fait que je dis, OK, on, on va faire en sorte que tu viennes. Je lui donne un petit cours, tu sais, comment faire des shots, le kit. Tu as, as un iPhone. Il dit, oui, j'ai un iPhone. C'est le dernier. OK, moi aussi, j'ai un iPhone. On va tourner tout en iPhone. Je te montrerai les images. On a l'impression que c'est du 4K Je tourné croire. avec une grosse caméra. C'était incroyablement beau. Puis avec les petits micros road. Donc, dans mon case de transport, il y avait deux micros et un bout de fil. That's it. That's it. Puis avec ça j'ai fait une semaine au Brésil. On est allé voir le, 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 le Christ rédempteur. On s'est promené, on est allé au pain de sucre. On a couvert l'événement de ISL. Là. Extreme uh, Sports uh, League c'était du uh, Counter Strike. Oh! Je... C'était incroyable, mais encore une fois, là, tu fais face à des embûches parce que les euh, autres ils veulent être payés si tu prends leurs images. Fait que j'avais le droit de prendre un certain nombre de secondes, j'ai pris ça. Fait que mon, sur, une fois rendu là-bas, mon plan de match tombait à l'eau parce que moi je pensais que c'était automatique, un tel m'invite, je vais pouvoir prendre les images. Puis te... euh, non. Fait que là, quand tu te demandes 10 000, 6 000. Use, oh. Tu te dis Bon, on va laisser faire On non va faire d'autres choses. On va faire d'autres choses. Euh. <laughs> choses. Mais c'est de savoir s'adapter, puis tu dis de, de savoir aussi lire un peu avoir un sixième sens. Ouais. Savoir ce qui s'en vient. parce que quand, quand Rode, euh, moi, ils sont devenus partenaires de, de Radio Talbot, quand j'ai vu ça, j'ai dit Oui, oh, je comprends. La petite console, là, ça rentre dans une petite malle, je rentre ça là-dedans, j'ai mes microphones, j'ai tout. Euh, puis quand je suis à quelque part, puis je suis à l'hôtel. Go, minou, on fait un show, on fait un podcast, un vrai podcast que j'ai fait aujourd'hui. Les gens peuvent jaser avec moi, puis ils peuvent me parler. Euh, tu sais, c'est le fun. Ouais, c'est. C'est ça, c'est ça le, le, la patente. C'est pas d'écrire des questions. Je vais te dire ça, tu vas me dire ça. Là, on va. Oh, rire. je déteste ça. Ouais. Comme, si tu m'avais demandé, ok, je veux savoir ma liste de questions, je serais pas venu. Oh, si j'aurais fait ça, j'aurais pas de job. Non, tu fais pas, <laughs> tu fais pas ça. on va faire ça. Euh, écoute, euh, je t'enverrai jamais ma liste de questions. Puis, si tu me demandes ça, j'irai même pas parce que ça va être plate. Parce ah. que souvent, tu as quelqu'un en avant de toi qui ne t'écoute pas. Puis, ils sont prêts pour l'autre question. Oui, ils n'écoutent pas la réponse. Tu pourrais dire ma mère est une chèvre, et puis, OK, ah C'est oui, oui, quoi, ah oui. <laughs> quoi le pire, le pire C'est quand ils pensent que tu vas aller quelque part autre avec ta réponse. Et pis vas pis pas. tu ne vas pas, puis ils sont comme Ah, quoi Là, le sol s'ouvre. Oui, on a tout fait ça. On senti, quand tu, es, là, l'a senti. Là, tu sais, la question finit. Puis là, le sol s'ouvre. Là, tu as le diable qui dit Viens, attends, tu sais pas quoi dire. Hein? On dirait que c'est long, cette question-là. On dirait que c'est une. Dans ta tête, quand tu regardes l'entrevue, ça dure une seconde. Même pas une fraction de seconde. Mais toi, ton cerveau se met en mode panique. C'est une conversation. C'est comme ça, ça des fois, ben, tu sais, es ben oui. prêt. Es, des fois, non. Mais si tu es normal puis tu es une personne, euh, comme, on va dire, honnête, ça va bien aller. Ben oui. Mais écoute, moi, je fais souvent des. Là, je, je suis en train de monter un cours là, avec un partenaire. On on, c'est 30, 30 cours là, sur justement l'animation en général. C'est pas juste parler d'un micro, l'animation. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des. Comment faire une entrevue, comment écouter? Ouais. L'entrevue, c'est quatre questions, gros max. Le reste, c'est ce qu'on fait là. C'est un ping-pong. Moi, en anglais, j'avais un gars, c'est le, <laughs> le dirigeant mm -hmm. des, euh, du Flat Earth Society. Ah oh boy! Puis, oh Dieu, oh, boy, as, oh boy. Lui, il rit encore à, à cause de ça parce qu'il était vraiment excité. Il voulait faire le podcast. Puis c'est lui qui, oh euh, oui. qui est venu me chercher. Il, il veut la visibilité. C'est ça. Ben oui. Puis il était quand même grand dans son, dans son domaine à lui. Mm. Mais au début, c'est comme ça. comme C'est ça les questions. Puis je dis, non, 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 non. non. Écoute, moi, je ne veux rien savoir de quest ce que vous voulez que je vous demande. Tu ne l'auras pas. pas. Je m'en fous. Moi, je suis prêt à te demander des questions. Je suis curieux. Mais tu ne vas pas me préparer d'avance. Après, ils ont accepté. Puis ses réponses, Denis, étaient ridicules. Ben il y oui? avait un moment où moi, j'ai dit, écoute, c'est. Are you serious? A, you, you're pulling pro, my leg. Je dis, this is ouais, Je ça. dis, je ne peux plus. Il, il me disait, euh, tu penses -tu vraiment que la lune est vraie? Je dis, oui, comment tu sais? Puis après, il commence à montrer des photos. Tu vois, <laughs> moi, j'ai coupé une sock. Cette cercle là c'est la lune. Je dis, comment? C'est trop. Ah non. Maintenant, comme tu exagères un peu trop pour moi. OK, moi, j'ai eu la chance d'embarquer dans le Concorde avant qu'il le retire. C'est la oh. ouais. Oui, oui, oui un petit avion, tout le monde pense gigantesque, c'est pas gros. Puis quand il vole, il volait juste sur le bord. On voyait la courbe de la Terre. Fait que ceux qui pensent que la, la Terre est plate, vous avez pas fait de tour de Concorde, visiblement. À moins que j'étais dans un studio. Puis c'était tout Mais, arrangé. Tu viens de dire la vérité. Tu dans un studio qui, des fois, <laughs> est, des fois, est explosé. Non, écoute, sérieusement. <laughs> c'est vraiment... Ça, ben, puis, quand ils n'ont plus de réponse, ben, tu fais partie de la conspiration. C'est ça, ça qu'il ben, disait, quelque chose comme, comme ça que moi je faisais. Il y a même des commentaires que moi je t'ai payé par le gouvernement. Moi je... Oh, je déteste le gouvernement. <laughs> je n'ai pas, pas confiance dans le, le gouvernement. Ce n'est pas eux autres qui me payent, c'est moi, ouais. paye. moi qui les paye. Tu regarderas mes revenus. C'est ça que je dis, c'est moi qui les paye. Eux aussi ne sont pas au courant de qu ce qui se passe. Mais non, c'est ridicule. un mur de glace, là. Qu'est-ce qui arrive quand tu vas au bas, tu tombes dans, tu tombes dans tu tombes au bout, tu t'en la. J'ai demandé toutes ces questions. Puis il n'y avait pas de réponse. Il y a toujours. Tu sais, quand j'ai trouvé une question qui était trop dure, il disait c'est Dieu, c'est des choses comme ça, tu, tu, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu a ces pouvoirs-là. Puis j'étais comme écoute, là, on vient de sortir, on parlait de de la science naturelle, puis tout ça, puis tu veux vraiment que je, je suis avec toi, puis dès dans, dans que tu ne peux science, rien répondre... C'est ça, dès mm. que tu ne peux pas répondre, c'est comme c'est parce que tu ne crois, crois pas en Dieu, puis je ah, fuck. Non, non, il n'y a rien à faire. Ah, puis ils sont tous dans une espèce de chambre à écho, là, ils mm. répètent tout... Tu si... sais, euh, comment il s'appelait, c'est euh, les nazis qui faisaient la propagande, c'est Rommel, je pense ouais, uh, 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 Joseph Goebbels Goebbels. Goebbels, Goebbels, Goebbels. Ouais. Goebbels, Goebbels. Imagine-toi que si Goebbels existait aujourd'hui avec son génie démoniaque qu'il avait, puis son contrôle des masses, que lui avait compris comment ça marche. Ça serait l'enfer. Je veux dire que je pense que ça existe. Ça existe, certain. Il y a une autre forme. Ce, 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 ce type, quand c'est prouvé sur Internet, il y a des études qui sortent, là, qui, euh, il y a des gars qui, qui se spécialisent dans nous faire comprendre comment ça marche, justement, le contrôle des masses, et puis ils peuvent faire changer les, les gens d'avis sur les sujets sur ouais. n'importe quel sujet juste en y allant de, en se servant de cette fameuse chambre à écho tu réussis à convaincre une personne qui a beaucoup 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 de, de pouvoir sur une certaine classe de gens et là ça va devenir la vérité ça prend ça prend quoi c'est cette, cette euh, comment il disait ça cette réverbération de cette chambre d'écho là pour que ça devienne une pseudo vérité Puis tu sais pourquoi mmh, mmh. une de mes amies c'est une humoriste maintenant mais, mais c'est une PhD en psychologie mmh. puis elle qui est qu'elle m'avait expliqué ça. Euh, L'affaire qui est le pire pour un être humain, c'est d'être exclu. Exact. Alors, quand dans ton cercle, tout le monde te dit, même si tu es comme je suis pas d'accord, j'ai des questions, c'est pas normal. tu as peur, tu veux pas être exclu, puis tu tombes. Dans ouais. Puis tu commences à croire quelque chose. L'exemple de tout le monde en classe qui dit « vous le chat, puis c'est un chien. Qu'est-ce que vous entendez? Un chat. Tout le monde, il y a 30 personnes qui disent un chat, il arrive au gars, qu'est-ce que tu entends? Un chat. C'est un chien, puis il sait que c'est un chien, mais il dit que c'est un chat. <laughs> c'est fou. Ça, ça, ça fait peur. Ça ouais, fait peur ouais. de voir ouais. on est rendu où? Parce que tu aurais pensé que maintenant, avec tout ce qu'on a, on, on a accès à plein d'informations. Plein on serait le plus comme ça, mais on est vraiment, vraiment facile à manipuler. À berner, ben oui. Mais hum. imagine-toi avec l'intelligence artificielle, est ce qu'on peut arriver à faire maintenant. J'ai peur de ça parce que moi, j'en ai... J'étais... mon trappé, j'en ai vu plein de petites choses que moi je pensais étaient vraies. Oui, si. Puis j'étais comme oh, t'as vu, tu vois, on a dit ça, a dit ça Ouais. Fait qu'il y a encore des gens qui comprennent mal ça, qui vont se laisser berner, t'sais. Si demain tu vois Poutine qui déclare la guerre, on sait tu c'est vrai ou non. Tu sais, c'est, mettons, c'est inquiétant. Puis, puis, puis la... même maintenant, t'as-tu vu avec les, les extraterrestres? Ben, ben oui. Écoute, donnez moi j'adore ça. Moi j'adore les UFO, le time travel, ça c'est pour moi, mm -hmm. parce que je trouve ça fascinant, puis c'est du sci-fi pour moi. Oui, c'est ça. Mais tu ne vas pas me faire croire que maintenant, je, par magie, ils apparaissent, ils sont là. Ils, ils apparaissent, ils sont là, puis, ouais. oui, ils sont vraiment, vraiment avancés, mais en même temps, on peut les attraper. puis C'est toutes des choses qui contredisent. C'est puis... inspiré beaucoup par Hollywood aussi. Tu sais. dans, on l'a vu dans la pandémie, là, tu sais, ils vont t'injecter une puce, puis ça va du 5G, puis ils vont contrôler tes pensées. Moi, j'avais toute une discussion à propos du 5G, parce que moi, je disais, ben... Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils rentrent des 5G? Moi, j'avais entrevu David OK. Puis dans l'entrevue, j'ai même dit ça parce qu'il dit le, le, le 5G. Puis je dis, dit Mais ça aide à quoi? Je ne comprends pas. Ça, ça aide, premièrement, euh, les, tout le monde qui est malade maintenant qui n'a pas de 5G. Alors, c'est quoi la connexion entre 5G? Puis, deuxièmement, pour nous suivre, je suis d'accord avec toi, tout le monde veut notre data. Oh, on, vénement, ça, puis... on a des cellulaires, même. Mais c'est ça, on, <laughs> on donne déjà toute notre data. Ils savent qu'est-ce qu'on aime, ah ouais. où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on dit, tout ça. Ils n'ont pas besoin d'une addition, mais, mais là, ils ne veulent pas que tu rentres dans ça. D'autre, si, si tu veux mettre une puce 5G dans mon corps qui va fonctionner avec des batteries, dis-moi comment tu vas faire, parce que moi, mon ton téléphone dure une journée <laughs> et puis est... il est mort. Donne-moi une chance. <laughs> mais il, moi, c'est juste, c'est quoi l'objectif? Puis Pour ouais. moi, il n'y avait pas d'objectif, parce que tout... L'information que tu veux tirer de ça, ça existe déjà. C'est là. C'est déjà là. Moi, je donne toutes mes infos. C'est pas que je veux le donner, mais c'est. sont donnés. Son Tantôt, mon téléphone va m'avertir où je suis stationné. Il va dire Denis, n'oublie pas ton char. C'est mm -hmm. ça. Mais c'est comme, Comment dire C'est divertissant, puis à la fois, c'est peur. Hein. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, que, ce qui me fait peur, c'est que. Euh, il y a une sorte en ce moment, il y a un, un, une intelligence artificielle qui est ChatGPT, toute la gang qui tu sais, c'est mené pour faire de l'argent. Moi je le dis ouais. il y a de l'argent là-dedans. Mais si l'affaire, la, la gaffe, je pense qu'ils ont fait, c'est de donner accès à Internet à cette bébête-là virtuelle parce que là, elle devient de plus en plus puissante. Euh, puissante. Hein? Puis si tu veux faire comprendre ce qui est bien, il faut que tu y montres également ce qui est mal. Tu comprends-tu? Oui, mais là, elle va savoir qu -ce que le mal... Le... Oui, ouais. mais ça si décide, elle, que toi, euh, après une analyse logique, parce que le virus, à la Terre, c'est les humains, on va s'entendre. Si tu trop dangereux pour moi. Moi, moi je vais t'éliminer, je vais trouver une façon de t'éradiquer. Est-ce bon, est -ce que c'est de la science-fiction? Est-ce qu'on tombe dans le conspirationnisme? Je ne sais pas. Mais moi, je pensais à ça. Des fois, je dis, bon, si je lui montre ce qui est bien, il faut qu'elle sache ce qui est mal. C'est assez ce qui est mal. Euh, donc peut-être que moi, je deviens le mal aussi. Quand elle regarde les guerres, puis elle regarde que tout le monde se centre dessus, les l'équipe, puis ça, c'est mal, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'elle va, logiquement, en tant que machine, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Ça, c'est inquiétant. T'sais. Mais t'as pas tort, parce que si, si, par exemple, la machine commence à faire, euh, au lieu d'être chat GPT puis juste être sur l'Internet, ça existe, comme on voit les poupées qui ont mmh. l'air d'être humaines, OK. Mais non, cette poupée-là, cette Intelligence là peut contrôler toute la toute l'industrie, ouais. les factories puis tout ça le, pour manufacturer d'autres comme elle. Ok, ben je peux faire ça toute seule. Tout est automatisé. n'ai mm -hmm. pas besoin d'être humain puis je peux exister puis en plus l'être humain peut me Shut down, peut, peut ouais, m'attaquer. Ouais, c'est ah, ça le danger. C'est ça l'affaire. Ouais c'est facile d'arriver parce que c'est juste des, des pas logiques. C'est très, très dangereux. Ben, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Puis les gens qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur job, ceux qui vont perdre leur job, à mon avis, c'est ceux et celles qui n'auront pas pris la peine d'apprendre l'intelligence artificielle, de savoir comment ça fonctionne et de se spécialiser là-dedans. C'est comme dans n'importe quoi. Si un jour, toi, tu, tu fais ton beurre euh, à la main, tout le kit, pendant que le gars à côté, il y a une machine qui fait son beurre qui, vend, qui en vend 2000 fois plus que toi, mais tu vas, ta business mm. va fermer à un moment donné. Mais je pense qu'il faut se tenir au parfum. On parlait tantôt de, de savoir un peu ce qui s'en vient. Ouais. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. J'essaie de voir où on s'en va, ça va être quoi les tendances, puis qu'est-ce que je peux faire. Moi, je ne peux pas être passé date. Parce que moi, j'ai 65 ans. Puis il euh, y a des gens plus jeunes que moi qui sont complètement, complètement agnostiques. Un côté console, côté téléphone, ils s'en sacrent, ils ne connaissent pas ça, ils s'en foutent, Là, box ça marche, OK. Mais sais-tu que tu peux faire ça avec ton téléphone? Ils sont complètement ignorants de la possibilité de plusieurs trucs qu'ils peuvent faire. Ah, oh, moi, l'Internet m'en sac! Tu ne peux plus aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus dire je me, je me sac de ça parce que... Tout converge vers ça en ce moment sur l'automatisation. Moi, chez nous, je rentre, puis euh, je, en rentrant, elle me dit bonjour parce que euh, mon studio, elle sait que quand elle détecte mon téléphone, je rentre dans le studio, je vais avoir mon éclairage allumé euh, de telle façon. Tout n'est pas grammé. Ouais. Je ne passe pas une demi-heure à faire ça. C'est une perte de temps pour moi. Ouais. Moi, je veux que je m'asseoie, je pèse du Python puis que ça marche. Savez, tout est fait. Je dis, bonjour, j'ai les deux. J'ai Alexa, puis j'ai l'autre, puis je, je veux pas le nommer parce que je vais tout partir les oh, systèmes. Non, là, mais là. Là, ça, marche, ouais. ça marche super bien. Tout part, moi, je m'assois, et puis j'ai juste à apaiser, le, lever le slide du micro puis parler. Fait que, pour moi, avant ça, il fallait que je calme mes affaires, je recheck tout le temps l'éclairage, la dimmer, ben, ben, etc. Là, tout se fait automatiquement. C'est magique. Tu sais. Mais ça, c'est sûr qu'il y a une partie de ma, de ma vie qui est connue. Ben, toute ma vie est connue finalement par ces machines-là, c'est sûr. Mais euh, mon algorithme, moi, il doit tellement être fucké parce que dans une semaine, je vais voir des films, je vais checker les nouvelles tendances, je check les flat earthers. Je, je, tout, tout... Il a quel âge, lui? Il ouais, ça... Ils ne savent plus. Ça Ils s'appuient, puis je vais pas avoir les couches, puis je vais pas avoir des affaires de même, là, tu comprends ouais, Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est ça, il fait le pas, je fais le pas dans le profil. Tu sais, pendant la pandémie, moi, j'ai pris beaucoup de poids je montais à 217 livres, tu sais, 219 livres. Le 19, le COVID-19, c'est pour moi ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey ça n'a pas d'allure. Mon fils m'a regardé un moment donné, dit, moi, si je joue aux Olympiques, j'aimerais ça que tu sois là. Oh! Là, ça, -là. on a ri, tu sais. <laughs> mais c'est resté dans ma tête, ça. Fait que je me suis engagé un trainer, là, puis euh, je suis rendu à 202. J'ai perdu 17 livres, man. Dans combien de temps? En trois mois. Oh, je sais, que okay, ça c'est bon. Oh, ouais, ça va bien. Ça. Puis, écoute-moi, là, là. tu Écoute, là, 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 les, les plans alimentaires, là, ce qu'on appelait autrefois des diètes, mais là, c'est plus cool. On parle de plans alimentaires. Je me suis rendu compte qu'il y avait du sucre dans tout, pendant on en mange de la merde. C'est incroyable, c'est fou. Moi, j'ai perdu 100 livres. C'est fou! Voyons. À cause de ça. T'es sérieux? T'as arrêté le ouais, sucre ouais. pis tout? Euh, sel, euh, non, pas, pas sel. Sucre, puis euh, mais Tout dur. ce qui est carbs, tout ce qui est pain ouais. puis des choses comme ça. Pareil, pareil, ça va vite, hein? Ça va vite. Moi, pis... je bois deux litres d'eau par jour, toujours rendu aux toilettes, mais Christy, yeah, go. Café noir, yes, pas de problème. T'sais. Moi, euh, j'ai mis du crème ici aujourd'hui. Ouais, ouais. Euh, mais t'as ouais, mais le, le droit, le vendredi, t'as le droit. Non, j'ai le droit, mais c'est vraiment pour moi, c'était le sucre, ah oui. puis euh, le pain. C'est fou. J'ai coupé ça, puis tu vois. Moi, je faisais mon pain, mais. Il y a sucre partout. Hey, t'en as dans, dans le salade dressing. Dans les salades. T'en as dans le pain, t'en as partout, partout, partout. Puis, la un donné, tu commences à regarder ça, puis je veux pas devenir. Tu sais, le. le, le, le le sugar nazi non plus, là, t'sais. Mais tu n'as pas le choix. Le tableau, là, table on a te fait un bon plat, là, tu regardes ça, ça, euh... ça. Il y a du sucre là-dedans, du sucre là-dedans, du sucre là-dedans. Oh, ok, minou. <laughs> c'est délicat, ça. ça j'ai découvert le quinoa. <laughs> ouais, ben, moi aussi, au début, c'était vraiment ça. Puis, je commençais à découvrir plein de choses que je ne savais même pas, que ben non, je pouvais manger. C'est ça, c'est ça. Fait que y a beaucoup de poulet, des poissons. Euh, puis, le steak aussi. Tu sais, j'en mange, du steak. En mange, moi aussi. Tu sais, euh, sauf que j'ai coupé sur euh, les, euh, les desserts. Puis toute le kit. C'est bon, bon dessert. pour. Euh, des petits bleuets, puis des fraises, puis des murs. Mais c'est peu achetable, Calder. Tu vas au magasin. Là, ça pièce pour un petit truc de, de fraises, gros de même, ça n'a pas d'allure. c'est une autre affaire que je pense que. Mais on tombe dans des moments vraiment difficiles parce que tout coûte cher maintenant. ouais c'est fou. J'ai vu. Euh, puis je savais, je disais, ça fait une semaine que je disais à lui Écoute, euh, la Banque du Canada. Ils ont une annonce à faire. Ils vont la faire, puis ils l'ont faite. Ils ont deux choix. Mmh. Ou qu'on reste comme on, on, on est maintenant, mais parce qu'ils pensent que l'inflation va tomber. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça, parce qu'ils ont fait ça, ça fait quelques mois, exact. puis l'inflation est, de, est même monter. augmentée. Ouais. Alors je dis, je pense qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Écoute, moi, là… Je, euh, mais le monde, leurs salaires n'ont pas augmenté. Non. Alors, puis pour la troisième, cinquième fois maintenant, que, puis les choses sont déjà chères. Je ne sais pas comment on, on va durer. Je ne sais pas, mais il faut qu'il se passe de quoi, là, parce que c'est l'enfer. Moi, personnellement, euh, je dirais à peu près 60 de ma business qui a été euh, impacté par des euh, décisions d'entreprise. Tu sais, quand tu as Intel, euh, tu as Microsoft que, qui est sur le point d'embarquer, qui tombe va attendre plus tard, euh, c'est des revenus de moins que j'ai pas. Ouais, moi aussi. Mon, mon année d'animation, même des animations que j'étais supposé faire, des festivals que j'anime depuis des années, des trucs de même. Danny on a, on a un, un dixième du salaire qu'on qu peut te donner. Ben, je dis, écoute, je m'excuse, je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas. Je, peux pas. Ça va me coûter, je, je vais payer pour aller faire ton truc. Je dis, ben non, Ça ne marche ça, pas. Ça, ça marche pas. Fait que toute l'année prochaine, je, je suis dans le néant. Je ne sais pas où je m'en vais. Que, je ne sais pas. Ça va te reprendre? Je ne sais pas. Fait c'est. Euh, c'est weird. C est, c est, on est, est dans une situation weird. qui n'est pas le fun. Autant pour. Mais les actionnaires, ils ne veulent, veulent pas perdre d'argent. C'est pour, pour ça qu'on fait ça, c'est sûr. Donc ils ont coupé, ils rationalisent. Puis s'il y a des jobs qui perdent dans le, dans le jeu vidéo, tu le sais. Souvent quand on fait un projet, on va se débarrasser de ceux qui ont, dont on n'a plus besoin. Ouais. Pis, mais là c'est rendu que les projets sont retardés puis ils mettent le monde dehors. Encore une fois, parce que ça coûte cher. Puis il y a du des studios, la pandémie. A, bon, on se sert encore beaucoup de ça pour justifier bien des choses, mais c'est pas étranger à ça non plus. Hein, non, puis même maintenant qu'on va dire terminer entre guillemets avec ça. On n'a pas retourné au normal. On dit, hey, on retourne au normal. Pas encore. Non. Moi, je n'ai pas le normal encore. Moi non plus. Puis les, les bureaux au centre-ville sont vides. Tu sais, euh, quand tu as des grandes compagnies comme Twitter, euh, mais avant même que l'un soit là, il euh, avait déjà commencé à dire Nous, nos, nos grands bureaux qui nous coûtent très cher, euh, je pense qu'ils sont à New York, on va. Ça de, du trois quarts. On pas besoin. Ben non, on va mettre des bureaux qui vont servir à tout le monde. Toi, tu rentres le lundi, moi je rentre le mardi, lui il rentre le mercredi, puis une rotation comme ça, puis il va avoir du télétravail. Ça, ça a été une bonne chose pour le télétravail. Je trouve que. Euh, oui, on sait, ouais. je suis avec toi. Moi, je n'ai jamais fait autant de cash que pendant la pandémie. Il y a des shows d'humour qui, qui partaient de chez nous, les gens ne le savaient même pas, qui étaient diffusés sur la page des humoristes. Ça, c'est cool. Fait que, ça paraissait pas, c'était clean. puis euh, Moi, je faisais le découpage, euh, pis, ça paraissait pas. Euh, S'il y avait un extrait d'image, l'image partait de chez nous. S'il y avait un petit bout de vidéo, hey, on regarde ça, ça partait de chez nous. Ça, les gens l'ont pas vu. Mais ça, c est, c est, ça m'a permis, moi, de, de, de développer cette haute expertise-là, d'offrir ce service-là. Comme toi, des, des, tes bureaux ici que tu loues, comme, euh, ouais. ça aussi, au début, avant la pandémie, c'est cool. Mais maintenant, ils n'ont plus le droit de sortir. Là, ton, ton piétage, il faut que tu le payes pareil, Oui, oui, ouais. puis on avait perdu plein, plein d'argent. Ben oui. Le monde n'avait pas le droit de rentrer. Ben non, c'est ça. Mais euh, les compagnies de jeux vidéo qui allaient au E3, là, qui faisaient des gros événements... Le E3 3 coup, est fini. Fini, il est mort, le E3, parce que... C c c moi, j'ai vécu les belles années du E3, les parties, la démesure totale. Sony qui t'invite en arrière du stade de baseball, c'est à la montagne. Là. Puis il y a une dizaine de tentes avec 10 shows différents, ah, puis oui. les Chemical Brothers sur la scène principale. Ça, c'est cool! Là tu, dis, là, tu vois la lucha libre avec euh, les, les, vraiment des lutteurs mexicains, puis ça se tape dessus. Dans la tente à côté, c'est les Minikiss qui font un show. <laughs> c'est drôle, ah, fait. Cool. Puis un bar aux 10 pieds, une sorte de bouffe différente aux 10 pieds, c'était la démesure Total. On vient de chercher avec un cœur de golf, ça, avec une, une coupe de champagne. tu, 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 tu sais C'était ça, mais aujourd'hui, ça se fait plus. Parce que euh, un, ça coûtait extrêmement cher. C'est des millions de dollars pour euh, une semaine. Ah. Euh, 10, 15, 20, peut-être 30 millions, je sais pas. Moi, ça va coûter, mais louer la petite montagne en arrière ça ne va pas être gratis. Tu sais. Puis tu repartais avec un sac, des t-shirts, des bubbles, des goodies, ils te gâtaient, c'était l'enfer. Fait que la pandémie frappe. Aujourd'hui, ben, ils ont compris une chose. Moi, je vais faire une vidéo qui va durer 40 minutes, ça va me coûter 6000 10 au max, puis je le diffuse partout sur Internet, j'en rendez-vous à tout le monde à telle heure fixe ouais. euh, sur mon site web Avec sur les YouTube. PlayStation Showcase Exactement, ça, ouais. ça coûte rien, puis mon message passe, puis j'ai tout ce monde-là qui est centralisé sur ma présentation, ils ne sont pas obligés de partir à courir pour arriver à pogner la prochaine présentation du prochain Ubisoft ou de EA qui est là en même temps ils sont devant leur ordi, ils sont captifs puis ça reste là, puis ça va rouler pendant toute la semaine puis mon message va passer parce que quand on était journaliste là-bas, c'était pas facile. Microsoft, c'était aimé, Il y avait un boss qui t'amenait euh, chez IE. Ou euh, chez. Euh, absolument, c'était Sony Microsoft. Là, t'embarquais dans le boss. Mais là, t'arrivais, t'avais pas de place parce que les gens s'en sacraient. Les fanboys, ils allaient faire plus euh, voir Sony. Puis tu devais t'asseoir, il n'y avait plus de place. Tu devais réserver, réserver une place, mettre ton Kodak. Il y avait plus de place pour se brancher dans la console. Tu sais, c'était complexe. C'était compliqué. Mais aujourd'hui. <laughs> Tu es assis chez vous, tu as ton petit café, tu regardes la présentation, tu l'enregistres, tu sors des petits bouts pour mettre dans ton podcast, tu joues avec tes chums, tu regardes ça, ça fait un show. Pas de dépenses. Puis les compagnies n'ont pas de dépense non plus. Puis qui est content en bout de ligne? Les actionnaires. Ouais. Sauf qu'ils vont pogner un nœud, par exemple, à 100$ du jeu, c'est trop cher. OK, c'est. C'est trop cher, c'est trop cher. Denis, je te niais, c'est pas. Hier, je regardais le PlayStation Store pour voir qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Trop cher. Puis, tu sais, ça arrivait des fois. Puis maintenant, je regarde, puis je dis, comme, écoute, ça c'est 120 pièces. Ouais. Ça c'est 135. T'avais deux, deux jeux pour ce prix-là dans le temps. Mais c'est exagéré. Puis, j'essaie de penser, OK, il y avait des années où les jeux n'ont pas vraiment augmenté en prix. C'est-tu juste qu'on on fasse une équilibre maintenant que oui ça devrait coûter puis après je commence à penser je dis mais non ça devrait pas parce qu'il y a plein de jeux qui coûtent 100 pièces ouais. que c'est le même jeu que l'année oui. passée Exactement puis tu sais dans le temps moi j'étais naïf Ventelis moi j'ai dit les compagnies ce qu'ils vont faire maintenant il n'y a plus de camions là, pour aller livrer les, les boîtes, il n'y a plus de cartons qui vont polluer, il n'y a plus d'avions. De, 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 ça va coûter moins cher. C'est coûter... ça que moi, je pense aussi avec les jeux oh, digitales, ouais. puis c'est faux. Ils ça, coûtent le... La, la... Le dos. Ah. Ça coûte plus cher, tu sais, c'est sûr ben, On va dire oui, mais ça prend des serveurs, les serveurs coûtent cher, tout le kit. Ouais. Tu profites aussi en bout de ligne. Ils sont, ouais. sont là pour faire du cash, c'est correct. Mais à un moment c'est que les gens ont un portefeuille... Soit raisonnable. Oui, tu as le choix entre manger ou t'acheter un jeu pense que tu vas nourrir ta famille avant d'acheter un jeu. T'sais. Ça dépend du jeu. Ouais. <rire> <rire> tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant que tu, que tu joues et tu es comme OK, j'adore ça. Moi, vraiment... Battlefield 2042. Là, oh, ouais, ouais. Ah, man, j'ai monté. Je suis rendu au niveau 100, ça fait longtemps, longtemps. Puis ils, ils ont sorti une nouvelle carte plutôt euh, cette semaine. Puis, euh, elle est cool, elle est fun. Mais non, donnez-moi plus de cartes. J'ai besoin sais Je joue encore beaucoup à ça. Euh, Flight Sim, moi, j'ai euh, fait mon cours de pilotage. Euh, puis euh, je retrouve les mêmes sensations ou presque de vol, la concentration incroyable quand tu arrives en finale. Euh, tout ce qui manque là-dedans, c'est la force G. Puis euh, si tu sais comment atterrir dans Flight Sim quand tu le mets en mode pro, là, tu, tu vas être capable d'atterrir en avion dans des conditions idéales, bien sûr. Mais, mais ça, c'est vrai parce que j'avais vu des vidéos des gens ah ouais. qui utilisaient Flight Sim. C'est l'armée, je pense, puis d'autres sims qui ouais. ils travaillent avec Microsoft pour faire des ouais. jeux pour eux. Mm -hmm. Mais eux, ils ont tout le setup la sensation La compagnie James qui travaillait dans le temps, faisait des jeux, puis c'est I.E. qui est publié, je pense. C'était jeux d'aviation. avais les jeux d'Apache. Ça eux les autres, ils ont dit ok, l'armée a besoin de ça. Ils font plus de jeux pour le public, ils font maintenant pour l'armée. C'est des simulations qui vont te mettre dans des situations de panne, etc., etc. Mais c'est la même chose avec le Flight Sim. Tu peux vraiment euh, simuler des pans de moteur. Tu roules, tu perds euh, ton, tes portes. C'est quoi ta procédure? Dérouvre tes portes. Euh, tu essaies de m'aider, 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 t'expliques ce qui se passe, ta position, faut que tu saches tout le temps où tu es rendu. Euh, c'est fou. Tout le temps regarder où tu peux atterrir. T'sais. Fait que c'est bien, ben fun, je, je trippe là-dessus. Puis moi, je, ce que j'aime faire, c'est pas prendre les gros avions. c'est... C pas, moi, c'est les petits avions, comme j'avais. Un petit Cessna, un 170, un 172. Puis partir, je m'en vais à Québec. Bon, on fait ça en temps réel. Mon chum est à, à, à Saint-Hyacinthe, il y a une piste. OK, j'atterris à Saint-Hyacinthe, je te rejoins là. puis On jase, pendant, comme on, on était à la radio avec Discord. Là, on, on jase, puis j'atterris. OK, je te vois. Là. OK, je mets du gaz, puis on repart. Je mets du gaz, t'sais, on arrange le truc. On s'en va, on va à Québec, on va à la ok on, on se donne des rendez-vous, on va à Bromont. C'est le fun. C'est en temps réel. Puis tu vois les autres avions, c'est ça qui est le fun. Aussi. Puis, puis les autres avions, c'est-tu <coughs> des gens qui jouent oui. en même temps que toi? Oui, oui. Ça, c'est fucking cool. Ah non, c'est le, le fun. Mais Tu sais que dans le temps, le jeu Battlefield, moi, j'étais avec Claude Arson. Puis on était en train de changer le monde à un bar un soir. T'sais. On était euh, légèrement rosé Et puis, je dis Claude, moi, je veux faire un jeu. Et tu sais quoi tu veux faire? Moi, je, je rêve à un univers persistant là, où, mettons, si Ubi était intelligent, c'est ça qu'il ferait. <laughs> J'avais vu je pense à Ubi dans ça, là. Ils ont Rainbow Six comme licence. Okay. Bon. Après ça, ils ont la licence. Euh, ils ont acheté Tom Clancy. L'univers de Tom Clancy est riche. On peut avoir des sous-marins. Puis les sous-marins, après ça, ils peuvent avoir un Ghost Recon, que les autres sont plus, euh, sont plus dans la jungle puis ces affaires-là, des missions d'infiltration, tout le Imagine-toi, on met un roman. Un roman là, de Tom Clancy qu'on peut jouer dedans mais avec une, une trame narrative. Puis même quand tu te déconnectes, le jeu continue d'avancer. Puis là, il y a un petit update, toute like la quête. C'est ça. C'est ça que je veux faire. Quelques mois après, il est sorti Battlefield. Il n'y avait pas le, la portion roman. Mais tu peux être des avions. Puis tout ce qui manque, c'est les sous-marins. Ouais. C'est ça que, voulu. Fait que le, 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 je veux que Je pense qu'avec où on est rendu dans l'intelligence artificielle, on pourrait faire un jeu comme ça. Alors, Ubisoft, je donne mon idée. On pouvait, c'est sûr qu'il peut faire ça. Ah, maintenant, ben oui. Imagine-toi avoir des NPC, non-playable characters, des, des PNJ en français, des personnages non jouables, qui, se dis, qui discutent. De, quand tu passes à côté, t'entends, tu, tu les interromps. Oui, salut, t'es nouveau, toi, ici. T'sais. Pas comme aujourd'hui, quand tu rentres dans une taverne, mettons, tu, fais, tu vas jaser au gars, il te donne ta mission, tu ressors, tu rentres dessus, tu quittes, toi, sors oh. Ça, c'est plate un peu. Mais là, maintenant, avec l'aspect intelligence artificielle, on pourrait arriver à faire jaser des AI. Puis que ces AI-là, c'est IA maintenant, de régir en français. Euh, vive sur le serveur, puis est des interactions avec toi de façon logique, basée sur ce que tu leur dis. par la voix. Mais on n'est pas... ouais veut parler ça. Mais on n'est pas trop loin de ça, tu sais pourquoi? Ouais, on est à côté, là, on le voit. Oui, parce que je pense à, avant c'était un peu impossible parce que pour les mises à jour, mm -hmm. tu n'étais pas toujours en ligne, mais maintenant, tu es toujours en es ligne. toujours là. Des petites mises à jour, puis c'est vraiment pas des grandes mises à jour. On va dire comme on, le chatbot ouais. de ChatGPT, même manière, ça s'adapte, on donne des paramètres, puis go! go? C'est ça. Parce que moi, j ai, j ai, c est pas, on n'est pas loin de ça. On n'est vraiment pas loin d'avoir des, vraiment des interactions qui semblent logiques, qui te font oublier que tu joues. Ouais, moi, ouais. ce que j'aime, quand je donne des bonnes notes à un jeu, c'est quand je regarde l'heure, j'ai commencé à 8 heures, puis il est rendu minuit, puis je dis, waouh, je suis dedans. Zelda, le nouveau Breath of the Wild. Je n'ai pas joué, malheureusement. Je n'ai pas eu la copie. As-tu euh, joué au, euh, Breath of the Wild, celui avant ah, Excuse-moi, le, le, premier, le premier Zelda, le deuxième. Le, le, le deuxième. Tears bl... of the Kingdom. Euh, oui, c'est ça, il me semble. C est c est le nouveau le... qui vient de sortir Non, je n'ai pas joué au nouveau, celui avant. Celui, okay. avant. celui avant, tu as joué Oui. Ouais. Tu as ça, aimé ça J'ai aimé ça. Ai ça. C'est le fun. Ça manque un peu de. Je trouve ça un petit peu enfantin par moment. Je... Peut-être que je ne suis pas le public cible pour ça, mais c'est bien fait. Il y a juste assez comment dire, euh, de, de trucs euh, irritants pour faire donner un, un sentiment de, de satisfaction au joueur qui sait comment qui arrive à trouver des affaires. Je trouve ça brillant parce qu'il n'y a pas d'interface. Tout l'aspect UX a été bien pensé dans le jeu-là. Euh, T'es pas obligé de lire pendant quatre heures. T embarques là-dedans. Là, tu vois un petit... Euh, petit quelque chose qui brille là-bas dans le fond. Tu vas voir, là, tu ne comprends pas tout de suite. On te laisse... On, 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 te, on se sert de ton intelligence à toi de joueur. Explorer. Quand, exact, explore explores puis tu y vas. Puis là, j'ai trouvé, là, tu as un sentiment d'accomplissement incroyable qui va te donner le goût de rester dans cette immersion-là tout le temps. Malgré que des fois, les défis sont un peu simples Mais dans le dernier qui est sorti, il y a beaucoup plus de dimensions. Tu peux faire voler ton, ton bonheur. Ouais, j'ai vu, j'ai vu les vidéos. Tu peux faire des combinaisons de différentes affaires. Je trouve ça intéressant. Mais c'est quand le temps s'arrête comme ça, puis tu es dans un jeu, puis tu oublies que tu joues, que tu joues. Mission accomplie, man. Ouais, pour moi aussi. parce que quand il faut que tu lises pendant quatre heures, ça, ça m'énerve. C'est mon seul problème avec le nouveau Zelda. Je ne l'ai pas joué encore. Je pensais même acheter une Switch pour ça, mais j'évite parce que moi j'ai aimé beaucoup Elden Ring. Beaucoup d'exploration, c'était bien fait, puis j'adorais ça. Ça m'a fait comme re-rentrer dans les jeux vidéo. Mais je suis comme, écoute, Nintendo. Bah, ils visent un public très familial aussi, il faut dire, Au moins paye quelqu'un pour faire les voix. Je ne veux plus lire, je, je suis tanné de ça. Oui, ben c'est ça. Là, la, les problèmes avec les voix, c'est que ça coupe extrêmement cher, encore une fois. Est-ce euh, que le français de France euh, il, euh, représente ce que le français québécois euh, est Pas nécessairement. Il y a des expressions qu'on nous, on a, qu'eux, on pas. Tu dois le faire deux fois au moins. C'est ça. En pour plus. la même langue. Ouais. Exactement. Donc, l'anglais, c'est pas pire. L'anglais américain, l'anglais, tu On peut se comprendre. On ouais. peut se comprendre. Il y a des blaimies des fois, qui vont se rajouter. Des ouais, ouais, comme ouais. Ça, mais, <laughs> mais tu vois, c est, c est, ça rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de dépenses à à ton œuvre finale, la, la, la meilleure concession, c'est un des enlevés, puis mettre des petits textes qui, ça, normalement, sont juste assez longs. Ils sont pas trop longs. C'est pas excessif? Non. non hein? C'est ça. Mais non, toi, Alors toi, tu me conseilles de moins l'essayer? Moi, ouais. Je l'ai pas essayé encore. Tout le monde me dit, Denis, il faut que tu joues à ça, il faut que tu joues à ça. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, là, euh, en tant que CEO de ma compagnie, je coupe les dépenses. <laughs> Fait que J'essaie de trouver quelque chose, mais tout le monde y joue sur, sur, sur Twitch en ce moment. Fait que euh, Si tu veux pas être du vil gâché, ben, tu ne vas pas sur Twitch parce que tu vas avoir des affaires. Puis je, Moi, j'ai je, je, fait le tour, j'ai regardé des gens qui ont, devant un même obstacle, ont eu différentes façons de le résoudre. Ça, ça j'aime ça. Ça, c'est cool. Ça, les Nintendo a réussi à, à bien posséder ça. C'est pour ça que les Zelda connaissent autant de succès. Puis, ils sont en train de travailler aussi sur la relève en ce moment. En offrant ces jeux-là, ben les, les plus jeunes sont curieux, ils vont aller voir le premier. Voilà. Là, tu les accroches et puis ils vont devenir des devots de la licence. <laughs> Moi, je connais un humoriste, une, euh, euh, mon humoriste préféré au Québec, Jean-Michel Martel. Oui. Lui, il est obsédé avec tout ce qui est Nintendo. Euh, C'est lui qui, est dans le loge du bordel, la semaine passée, qui me parlait de ça, il dit « Non, tu dois le jouer. » Ah non, écoute, euh, moi j'aime bien son un humour euh, quand il se promène des magasins. C'est lui, là, avec son euh, oui, avec avec, Photoshop. Oh. Euh, T'as-tu déjà vu lui sur, sur scène? Oui, je l'ai vu là, dans le cadre d'un show qu'il a fait, je pense, dans le cadre des AA, je sais pas trop, à télé, tu sais, ce qui roule oh ouais. le soir. Là. Je l'ai écouté, il est très drôle. Quand il fait son, <laughs> son affaire, puis la grosse bisoune. Oui, oui, ouais. oh non, mais il est très intelligent. Il a des bons angles que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Puis c'est drôle parce que moi je disais. Il parce que lui, il, il utilise des propres. Oui. Des propres. Puis moi, j'ai détesté ça. Je disais, ah, l'accessoire, ouais, accessoires ouais, j'aime ouais. pas ça. Puis je l'avais vu à comédia on était ensemble, euh, on, on captait quelque chose, ça fait quelques années. Puis je le regardais de l'écran, puis j'étais comme, oh, ça c'était drôle. Ça c'est drôle. Non, est non, qui il est lui, bon. ça c'est fucking drôle. Et ouais. bon. puis, tu la face. Oui, <laughs> oui, il est devenu mon préféré. Oh, moi aussi, j'aime beaucoup. c'est un je... bon gars, en plus. Ouais. 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 Je, je, on s'est parlé un petit peu à un moment donné, sur TikTok. J'ai envoyé quelques messages, mais moi, je, je le suis. Ça fait des années. De, quand il a commencé, j'étais là. Tu sais. euh, j'aime bien ça. Parce que, tu sais, Carrot Top, puis c'est propre. Euh... C'est ça que moi, je pensais. J'avais cette version-là des propres. Alors, euh, avec lui, je suis ah oh non, ça, c'est quelque chose. Parce qu'on a un exemple aussi de quelqu'un qui ne s'est pas renouvelé. Là. Ouais. Tu vois, qui est resté dans son truc. Les, les, les pantoufles, là, c'est confortable. Hein. Mais à un moment donné, ils sont usés Ouais. faut t'en prendre d'autres. Puis c'est là que tu fais des ampoules. Si tu les as pas pris trop longs, <laughs> trop, trop, trop tard. J'aime cette métaphore-là. Ouais. Ouais, c'est, euh, il, il faut il faut toujours essayer de se renouveler. Puis là, moi, à, 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 à la fin de chaque show, je me donne une note. T'sais. À ce soir, ah, c'était un 6. Je pas dedans. J'aurais pu répondre ça. Je l'ai pas fait. Euh, Ma techno, je t'ai pris dans ça. Je t'ai trop concentré sur le bug. Aujourd'hui, les bugs, je m'en sac. S'il n'y a pas le son qui apparaît sur les alertes, il n'y a pas d'alerte ce soir, on est, regarde, on est live. Si tu veux, je te dis. Euh, ça a été la même chose j'ai fait en euh, Opération Enfant-Soleil. Je fais à toutes les années parce que, bon, peut-être parce que c'est mon petit côté papa. Je trouve ça intéressant de, okay. de, de ramasser. L'argent pour les enfants qui... On est chanceux, nous autres moi je suis chanceux, mon gars, là regarde, il, il est en santé, il va bien, c'est un ado, puis bon, c'est un ado, un ado, c'est un ado, là, il essaie, puis il essaie, down, puis moi je suis un papa, puis maman aussi, elle essaie, hop, c'est dans tout comme moi. Puis, as en parenthèse, je dois dire, c'est vraiment excellent qu'il aime un sport, ah, ça, ça aide parce qu'il va devoir donner son attention, son énergie quelque part. Ouais. C'est très, très bon que c'est -ce dans un sport, la compétition, sinon, tu ne sais jamais. Ben, c'est drôle parce que souvent je fais des conférences dans les écoles, puis il euh, y a une prof qui me dit elle dit, euh, Moi j'ai un ado de botte. comment on fait pour l'intéresser au plongeon en fait? <laughs> ben, J'ai dit C'est pas moi qui l'ai intéressé, c'est lui qui avait déjà ce truc-là. Mais moi, en tant que parent, j'essaie de l'orienter dans sa passion, ce qui n'est pas facile tout le temps. A, écoute, 15 heures d'entraînement par semaine, là, tu sais, c'est quoi hein? C'est pas facile. Là. Des push-ups, des set-ups, des set-ups, des haltères, des scies, tu vas sur la planche, il ouais, saute en bas, des examens. Les examens finaux qui arrive à l'école, là, tu le quittes. Là, l'autre fois, il arrive à la maison. Puis moi, je reçois un texto. 68. Une note. Je dis, « ça tu dis, j'étais en. en Angleterre quand ils ont fait la... Ouais. Puis t'as pas été voir le prof? ben je le savais pas. J'étais en Angleterre. Tu sais, quand tu me dis... Coupe l'Internet sur ton téléphone. Je dis Ah ouais, c'est vrai. L'hôtel, t'as pas le Wi-Fi. Le Wi-Fi fonctionne une fois sur deux, c'était de la merde. Ah. OK. Il y a eu 68. Fait que, là, on est à la table. Là, je le vois. Là, pis, il, il sait que je suis un peu déçu malgré tout ça. Si tu les excuses, tu doutes toujours ouais, un peu, ouais, ouais, ouais. Fait que là, à un donné, il m'en euh, est, il rouvre son sac. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. Il sort deux, euh, deux espèces de trophées. Et qui dit, drop the mic. Là, je comprends pas. Élève de l'année. Élève de <laughs> études, sport, études. Puis le prix le plus prestigieux du collège qui donne à, à quelqu'un qui s'est illustré dans ça, sa... je me souviens plus du nom, là, mais le prix curato du, du collège, c'est l'ultime honneur. <laughs> oh, le petit gars, il travaille. <laughs> puis moi, je suis là à côté, puis je fais le cheap, quel calvaire, le <laughs> sais. Je dis, oh, fuck. OK. Fait que les margaritas. « Drop the mic. <laughs> » Ah, ça, c'est drôle ouais. OK, alors, il, il, ah, il ouais. est feisty aussi, en oh, ah, plus, ouais, ça, ouais. c'est bon. Ah, il est bavule, Timon, je sais pas où il prend ça. <laughs> ah ouais, ouais Puis toi, est-ce que... Euh, parce que tu me disais, tu veux jamais... Être en retard. J'essaie de ne pas l'être. Y a tu quelque chose sur euh, ChatGPT puis euh, l'intelligence artificielle que tu regardes maintenant puis tu es comme, oh j'ai hâte d'essayer ça ou quand on va transitionner? Tu sais, là, on. as -tu on, vu l'affaire ouais, de. Oui, c'est ça, c'est là que je m'en allais Apple sur les Ville. lunettes d'Apple. Les, les pros, c'est bon. quand même 3500 Les gens. je ne pas Américains. Américains, c'est pas pour nous autres, ça, c'est pour les gens qui vont travailler. C'est un peu l'équivalent des HoloLens. Ça, ouais. ça va servir dans les universités pour faire des projets communs. Toi, mettons que tu restes à, au Michigan, puis moi, je suis à l'Université de Montréal, puis on travaille sur, sans le savoir, sur une même technologie. On se rend compte, au lieu de payer des billets d'avion, on va pouvoir se jumeler grâce à ces lunettes-là, tout comme on le fait avec la Hololens, et travailler de façon commune sur le projet euh, qu'on qu veut faire avancer. Mm -hmm. Il y a des gens qui font des sculptures de voitures. Avant ça, il fallait que. Euh, tu sais, parce qu'à de faire des chars, ils les font en clé, là, en, en espèce d'argile. Il y a des sculpteurs qui font ça. Mais imagine-toi que les, tout le monde a ses lunettes-là, puis là, te sculpte une voiture avec la, la job du gars qui faisait ça avec de la vraie pâte à modeler dans le temps, qui aujourd'hui s'est adapté parce qu'il a vu arriver l'intelligence artificielle. Il dit ouais. Moi, je, je vais faire la même chose, je ne pas ma job, je vais m'adapter. Puis là, tes gens sont là, ils te regardent, puis ils peuvent même toucher. À le truc, gars, ici, là, pourquoi on ne fait pas ça, Garde, une ligne, quand... tu es capable de me faire ça oh, ouais, ouais. Ils vont être capables de travailler de façon commune sur un même projet. Mais c'est pas pour jouer à, à Rainbow Six, cette affaire-là. Là tu sais qu'est-ce qui me fait peur ouais. moi je travaillais pendant des années dans euh, ARPVR ouais. euh, juste avant que ça pop ouais. alors je suis là au début puis je lisais plein d'articles on, on je voyageais partout pour des meetings puis ouais. tu voyais toutes les compagnies qu'est-ce qu'ils ouais. faisaient puis il y avait quelque chose que je trouvais cool puis quelque chose que je trouvais mauvais le cool c'était on parlait déjà dans le temps ils testaient quelque chose avec euh, un chirurgien qui était le meilleur au monde qui était en Israël comment est-ce qu'il peut utiliser les lunettes « Real time », il y a un problème à New York, puis lui, il peut quand même faire... C'est des choses incroyables, puis je pense c'est là où on arrive. Oui, on s'en vient là, là. Mais l'affaire avec le « mixed reality », qu'il y a plein de caméras, puis t'as ton avatar, moi, j'ai peur que la manière où il le démontre, c'est comme « tu peux être chez toi, t'as pas besoin de beaucoup, je sais qu'on n'a pas d'argent, tout coûte cher, tout ça, ben oublie ton auto, oublie tes décorations, tu vas jamais le savoir, parce que toi, dans ton monde que tu vis, ouais. tu peux juste rajouter des choses digitaux ». Puis, tu n'as pas besoin d'améliorer le vrai monde autour de toi. Ça, ça me fait peur. Oui, ça c'est un fait. Mais dans la présentation, on parle beaucoup aussi euh, de cette jeune dame là, qui est dans l'avion, qui se crée un, une bulle ah, dans son ouais. siège. C'est est quand même cool comme concept. Ça, hein. c'est cool. Ben, ces images-là sont où? sont ils dans le nuage? Les images quest ça? Est-ce qu'il y a un disque dur là-dessus? on parle souvent de faire du montage. Tu vois, ils font du montage, puis ils pincent le kit. Ouais. Les images en 4K, tu sais comme moi qu'un montage, comme tu fais à toutes les semaines, c'est lourd pour une ouais. machine. On va les prendre où, ces images-là, dans le nuage? Oui, sont, euh, hein? sont où, sont, Ils n'ont pas répondu à cette question-là, à mon avis. Est-ce qu'il va y avoir un petit disque dur qu'on va porter à la ceinture? Euh, y a-t-il un petit disque dur là-dedans? Je le sais pas. J'ai ah. pas ces réponses-là. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de trucs. Quand j'ai vu ces lunettes-là, moi, c'est Bertrand Neveu, qui euh, un des Québécois, qui a, euh, je pense, a vendu son prototype à Paul. Écoute, là, ce gars-là, il est super fin. Il était venu, je faisais une émission avec Marina sur la techno. Puis, j'avais appelé, viens nous montrer ça. Tu sais, c'est cool, avec les QR codes dans le temps. Ouais, ouais. Puis, elle a, a mis ça, puis elle capotait, il y a des hélicoptères qui se passent. Oui, ouais, ouais je, fait, fait, je tu travaille dans ça. Ouais. c'est vraiment nice. Puis, le prototype qu'il y avait, c'était, tu voyais que c'était vraiment un prototype avec du, du ruban noir. Tu sais, puis, quand je regardais les lunettes, je reconnaissais le prototype de ces lunettes-là. Il y a une photo de lui, il a sa tête à un moment donné, ces vieilles lunettes, qui sont devenues ce que Apple nous propose. Mais il y a beaucoup de questions qui sont, qui sont, qui sont restées pour moi sans réponse, comme par exemple, c'est ça, faire du montage, c'est beau avec les mains, mais comment c'est possible d'aller chercher mes extraits vidéo les mettre à quelque part, une fois que mon montage est fini, est-ce que je, je travaille juste dans le nuage? Est-ce que je vais pouvoir faire ça dans l'avion? Ils ne veulent pas qu'on se connecte. <laughs> Vraiment? tu que être obligé de. je ouais, un peu contre ça. Ouais. C'est ça. Fait que je ne je sais pas. Mais je, je trouve que le principal irritant, c'est encore une fois d'avoir des lunettes d'en face. Ils ont beau être hyper légères. Moi, je suis un grand fan de AR et de VR. J'ai essayé les HoloLens chez nous dans mon sol. Je me suis couché à la terre. J'avais Netflix d'un bord, RDS de l'autre bord. Uh, puis quand tu tournes ta tête, puis le son change, puis ça suit, wow, merveilleux, c'est le fun. Mais euh, après un certain temps, c'est les premiers prototypes. c'était Oui, ça me faisait mal aussi. Ouais, c'était pas confortable ouais. du tout. Mais la journée qui vont être capable de rentrer ça. Dans mes lunettes je porte tous les jours. On n'est on est pas loin? On n'est pas loin. C'est dans trois ans, moi, je dis à peu près. Le verre de contact, même affaire. C'est déjà là, les verres de contact. Le verre de contact, moi, je me souviens quand je travaillais dans ce il domaine. J'en parlais à en parlait, puis il y avait déjà des prototypes et des gens. Qui... Mais euh, je pense qu'ils utilisaient ça pour les affaires militaire en exact, premier. Exact. Ouais. Ben, souvent, ce qui arrive, on, on l'offre aux militaires. C'est un peu l'équivalent de, des nouvelles technologies pour les voitures. On les teste sur la F1. Et par la suite, ben, on a ça dans, dans les voitures haut de gamme. Après ça, c'est Hyundai il fait une version plus accessible moi là, je me souviens on avait une meeting puis c'était ici à une compagnie américaine qui fait des choses militaires qui ont des bureaux ici au centre ville puis je me souviens dans le meeting on parlait de comment ils peut utiliser les caméras c'est je pense c'est tout ça je me souviens pas mais ouais, je me souviens ouais. que quand, moi j'étais là j'étais comme que oh ça c'est bizarre ah, comme ouais. j'avais pas pensé quand je rentrais dans le meeting comme c'est qui t'sais, je les connais déjà c'est des gens que mm -hmm. je n'aime pas euh, non, ouais. <laughs> puis j'étais vraiment fuck ça c'est bizarre que maintenant ils veulent rentrer dans le VR c'est pas innocent c'est ça puis j'étais comme oh fuck ça c'est pas, VR, VR. pas, oh, pas vraiment juste pour nous divertir non ils vont utiliser ça puis ils vont tuer plein d'enfants ben c'est quand t'es pas obligé d'être sur place c'est ça tu de puis, puis de, de contrôler de... tout exactement c'est ça devient un, un avantage militaire incroyable ça, ça c'est il y a toujours les mauvais côtés. De, ça revient avec l'intelligence artificielle. Il y a sûrement quelqu'un qui va trouver une façon d'aller éliminer des cellules cancéreuses avec des petits robots, des nanobots qui vont cool. rentrer dans le corps pour aller faire une chirurgie. Pendant que tu prends ton café, tu ne sentiras rien et ça va être fini. T'sais. Mais il y a toujours quelqu'un qui va essayer de trouver quelque chose pour faire du cash. C'est le nouveau clandestin en ce moment, cette affaire-là. Il, il y a mille et une façons d'utiliser un million de façons de l'utiliser. Euh, et puis là, t'as beau avoir des gens qui disent on, on va tout stopper pendant six mois, tout je ne peux pas rien. Il n'y a personne qui va le faire. Il y, y a des gens qui comparent ça à la bombe atomique. Y a des, ça, c'est être un peu alarmiste. As les... Non, mais même ça, les gens qui, qui travaillaient sur la bombe et ne pensaient ouais. même pas. Non, euh, puis c'est quelqu'un ouais. d'autre qui est arrivé regarde, on pourrait faire ça, imagine-toi l'énergie, on va péter tout le monde, puis si, on va avoir le contrôle de la planète. Ça, il y en a toujours qui sont comme ça, des espèces de mégalomanes, là, qui ne sont pas assez riches, puis ils peuvent faire vivre tout le monde sur la planète, mais ils ne sont pas encore assez non, riches. Pas assez. En tout cas, mais il y a tout le temps un paquet de scénarios, autant de, du bon côté que du côté négatif. Puis la, la journée que les gouvernements vont comprendre ce qui se passe vraiment, ils vont peut-être faire de quoi, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec euh, le président de TikTok qui est allé aux États-Unis devant le, le Sénat, as-tu vu ça? As-tu suivi ça? Là, une des questions, le gars, il dit écoutez, euh, oh, c'est pas pour mes enfants, le, quand il euh, parlait de. Ah, oh, oui, ouais, ouais, ouais Moi, ouais, je vois là-dessus, là. puis oh, il y a des danses sur le site. Mais pourquoi, sur ma page, je vois juste des, des hommes, des gays, habillés en cuir? <laughs> là, t'as le CEO de TikTok qui est. Ben, l'algorithme va chercher des trucs que, que, qui intéressent les utilisateurs. Ah, <laughs> oh, c'était incroyable! <laughs> Donc, euh, là, tu dis, là, tu dis, OK, il vient de te faire pogner, lui. Là, mais lui, il n'a pas compris le bonhomme. Il continue. Ah. I don't want to see that. I don't want to see that. Oui, ils sont mais, très sexy. Euh, <laughs> beaucoup d'hommes sexy. <laughs> ça. Ah, ben, ben, ils comprennent pas ça. Imagine-toi euh. leur dire, regarde, dans cette machine-là, moi, j'ai le... Je peux faire ce que je veux ou presque. Mais là, attends que les spammers mettent la main là-dessus aussi. Puis là, dans le moment, on met des adblockers, on met toutes sortes d'affaires, puis des, des pour les courriels, ça va être fou. Là, tu as Google qui vont faire quelque chose pour essayer de bloquer ces spammers là pis Ça va, il va y avoir une escalade. Tu sais, c'est c'est sûr. Il y a des, en médecine, j'espère qu'il y aura des bons incroyables au niveau de la recherche. J'attends. C'est ça. Mais là, tant qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'argent. Euh, dans, dans le monde, ça va toujours être une, une, une quête de richesse pour les nouveaux qui espèrent avoir toujours plus et plus, toujours plus. C'est avec ça qu'on vit, on n'a pas le choix si on veut manger, mais il y en a qui ont du strict minimum, il y en a d'autres qui en ont trop. Beaucoup trop. Ouais. C'est ça. c'est inquiétant. Ouais, on va voir. Nous, moi et toi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer de parler. Ben, c'est essayer de faire comprendre aux gens, essayer, essayer d'analyser tout ce qui se passe. Je ne suis pas un grand spécialiste. Moi, je suis plus un vulgarisateur de, 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 de ce que je vois. Posé <laughs> Je pas la prétention de tout connaître. J'ai un gars qui vient à mon podcast qui s'appelle Jean-Philippe Baudouin. Puis euh, lui, c'est un, un des actionnaires de AI Elements. Euh, oh. Puis ce gars-là, il est là-dedans. Il, il, il est très posé au niveau de sa, sa position par rapport à tout ça. Euh, c'est sûr que les extrémistes parlent de, de contrôle global tu t'as les idéalistes qui, qui voient des licornes avec des champs de marche. Non, non c'est dans le milieu. C'est ça. Puis lui, il parlait d'instaurer plusieurs types de AI, pas juste une source, différentes sources qui pourraient arriver à s'auto-policer entre eux autres. Là, de, de, de contrôler la, la mauvaise AI qui décide de partir en fou, mais les autres disaient Ok, nous autres, on se met en gang. Mais bon, dès qu'ils font l'alliance, on est fini. C'est ça. <laughs> dès qu'ils s'organisent, ils ça comme non, non, ensemble on est plus fort. Mais ben, ça fait des bons films pour Hollywood, dans maudit. Ça va être moi qui vais écrire ça. Ah, ok, je vais t'aider. C'est quoi ton horaire maintenant pour euh, sur... quand es sur Twitch et tout ça Moi, je suis là euh, mardi, mercredi, jeudi, on fait des shows comme on faisait à Monsieur Net. On commence à 20h, puis on finit des fois à 9h, mais des fois plus à 10h. <laughs> ça dépend des soirées. Ça dépend. Puis le lundi, je fais des tests. Le vendredi, je m'amuse aussi. Fait que euh, les fins de semaine, je suis pas mal toujours là-dessus. Là. J'essaie. Puis j'essaie de rentrer ma famille aussi. Non, non, mais c'est mardi, mercredi, jeudi vraiment. Puis lundi, quand j'ai du temps, puis le vendredi aussi. Fin de semaine, je mets ça à parce que t'es-tu capable de mettre tout à offre? Moi, je suis capable. Non. Moi, je suis capable. Je suis jaloux. Tu es capable. Euh, Pas encore. Euh, moi, je le prends, là, puis je mets ça à offre. Je joue ça le lundi. Euh, puis là, tu vois, hey, t'es où, t'es où, t'es où? où? Qu'est-ce que Je suis où? Je, je veux te parler. Oui, mais tu peux. Non. Pas encore, mais. Puis, je, je veux faire ça. As tu as remarqué que les gens ne parlent plus au téléphone non plus? Ouais! C'est pas on il parle pas au téléphone, il y a des textos. Là. ouais puis les gens s'énervent quand on les appelle. <laughs> ouais, ouais, mais Il y, y a dû que je change, parce que moi, j'étais un gros parleur au téléphone. C'est ouais. Mike qui, qui était fâché, ouais, pourquoi tu m'appelles? Le monde est sénéreux. Mike? Ouais, Mike, je... Mike était fâché, mais <laughs> tu sais pourquoi? Parce que, parce que Poseidon, il a fait ça à moi, puis moi aussi, des fois, parce que moi, j'aime ça, parler au téléphone. Ouais. Mais euh, il t'appelle pour des choses qui peuvent être une texto. OK, Moi, tu sais, j'ai appelé Mike tantôt. J'ai dit Hey, au nom de numéro de pantalon, s'il te plaît. <laughs> dis, hey, Puis, je suis content de te parler moi aussi, mais je m'en vais chez eux. Je vois. Mais c'est vite, ah. il fait ça vite. Mais euh, Et, Poseidon, c'est du n'importe quoi que je pouvais. Avec une texte, ça serait plus vite. Ouais, je lui Poseidon, ça peut être une texte. Il disait dit ouais oh, t'as raison, t'as raison, t'as raison. <laughs> tu ce que Poseidon, tu peux m'appeler quand tu veux. Le pire, c'est que quand j'appelais au lieu d'envoyer un texto, euh, je le savais déjà souvent que ah, je peux juste envoyer un texto. Mais là, je me disais toujours... Genre, le contact humain, c'est un gars qui est humain. Lui, Ah, je sais pas. C'est un des extraterrestres qui ont trouvé Je voulais pas que. Comment qu'on dit. Dans l'anglais, je vais le traduire. I didn't want them to get the wrong idea that I meant something else. OK, donc je voulais ça. Parce que j'en ai confondu. Mais je me disais, si j'appelle, ils vont savoir this is what I mean. La vérité, c'est qu'avec mes textes à moi, parce qu'habituellement, ils sont directs comme oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le monde pense que je suis fâché. T'es bête. Mais non, bête, mais non, tellement bête, t'as pas d'allure. mais non, c'est juste parce que tu m'as demandé une question. Moi, je veux juste te répondre ben, en texte. De façon concise. Mais l'e-mail, e ça a la pire à faire ça. Là, euh, peux-tu venir faire un podcast euh, Non, je peux pas, je suis occupé. Bang. Oh, il est bête. Je suis occupé. <rire> <rire> non, excuse-moi. Euh, je suis en train de faire telle affaire. Je suis occupé. Je vais te rappeler tantôt, tu sais. Puis là, tu le rappelles pas. Oh. Ah tout... ça m'arrive tout le temps. J'oublie. Ben moi aussi. J'ai fait 20 000 choses. Tu es es, 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 est-ce que vous êtes partner, vous autres, dans le business? Ou es, c'est toi, toi, One Man Army? C'est toi, One Man Army, Moi, avec, c'est la même chose. Fait que tu t'appelles, tu sollicites, tu, tu jases, tu ah. gères les sujets, euh, tu fais de la représentation, euh, tu te fais dire non. Moi, j'aime pas ça me faire dire non. je fais. le tour, C'est une autre façon de. de... Moi, j'ai appris ça avec musique Plus. À un moment donné, quand tu appelles, tu dis OK, euh, bonjour, j'ai un show qui s'appelle euh, Les aventures du Grand Albo. C'est pas encore diffusé, mais je veux que tu sois commanditaire. C'est pas encore diffusé, hein? Ah, c'est ça? pas encore. Euh, les seuls qui m'ont dit oui, c'est l'armée. Parce que je voulais, ah. faire, je voulais faire un tour de F18. Ah, oh, ça serait cool. Fait que j'ai dit euh, le show pas encore diffusé. Là, j'ai un silence au bout. C'est M. Major du Chénaud, il m'a toujours me rappelé de lui. Il dit M. Talbot, je vous rappelle. Oh. J'ai dit, OK, c'est Don Carlos, we'll call you. Euh, tu ne me rappelleras jamais. 20 minutes après, le téléphone sonne. Quelles sont vos disponibilités? Il faudrait faire un test physique. Par la suite, on ira à Trenton, faire différents trucs, puis on ferait le vol à peu près de telle date. What? Um, oui, je suis disponible. <laughs> tu sais, finalement, ça a été le premier show des aventures du Grand Elbow. Ça, ah, ça. c'est cool. Ça commence fort. Hein? Après ça, faut que tu dises, OK. Tu sais jamais. Mais... C'est pour ça que moi, je dis au monde, essaye. Ben, c'est ça. Appelle, demande. Tu sais jamais. Mais c'est pour ça qu'ils appelle pas, ils envoient des textos. C est, c est, ça, 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 oh, si j'avais envoyé raison. un texto, pas Faites sûr que ouais. ça aurait marché. Mais j'ai parlé au gars, j'ai montré mon, ma, mon intérêt, Pis ça paraît d'envoi. Tu sais, hey, d'autres, je vais faire ça absolument. Moi, ça m'excite. J'ai fait mon cours euh, de pilotage. Euh, euh, je suis capable d'atterrir un Cessna. Il n'y a pas de problème. Un troupe m'a atterri ça. Moi, sur le porte-avions. <laughs> J'aime pas les terroristes. <rire> 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 Mais j'ai tellement eu une relation cool avec eux autres parce que l'armée, c'est une grosse chope tu sais il y a des gens qui ici au Canada on est chanceux on va, on va pas nécessairement on n'a pas connu de conflit rien parce ouais, ouais. que c'est des gars puis des filles qui travaillent sur des avions sur des camions qui des ordinateurs ont, mais quand ils appellent puis tu dis t'as le beau ça en vient faire un tour de griffon Les nouveaux hélicoptères. C'est excité. Ah, calicon, on va y payer une Drive Puis là, ils étaient nouveaux, ces hélicoptères-là. Puis dans un, dans un hélicoptère, il y a souvent ce qu'on appelle le chip light. Les petits morceaux de métal qui vont coller sur le rotor. Ça, ça peut être dangereux. Fait que il y a une petite lumière qui s'allume, on décolle, on vole pendant 20 minutes, chip light, chip light. Là, il faut atterrir. Mais là, c'est vrai! Mais on atterrit dans, dans le bois, dans une clairière, on est dans la neige. Puis là, on vit ça avec eux autres. Au lieu de paniquer, nous autres, on a du fun. Là, le gars il a fait passer des F18 au-dessus de nous autres, juste pour la chatte. Fait que les gars, on filme ça. Mais on... qu'est-ce que tu fais si ça arrive? Si, euh... ah, tu atterris, tu trouves une place, pour atterrir le plus vite possible. Pis... Puis après, ils font quoi? Ils envoient un autre hélicoptère, puis des mécaniciens, puis ils réparent ça sur place. Comment est-ce qu'ils le réparent? Qu'est-ce qu'ils font? Il... Et, écoute, moi je ne suis pas mécanicien, mais il y un gars arrive, il roule comme un auto, il roule ça, il y a le on check ça, c'est quoi la sauce, qu'est-ce que je peux changer. Sinon, mais il y a un autre hélicoptère qui vient chercher l'hélicoptère, puis il part avec, puis il le ramène, puis comme un towing de l'air. Ça, c'est cool. <laughs> on a eu du fun, on a eu bien du fun. Puis, c'était à partir d'un événement, au lieu de dire, regarde, on arrête tout. Non, non, on continue, go, filme-moi ça. Là, là j'étais avec Pierre Bété, le major. Lui, il était dedans. OK, là, on va passer des FDU. on On à la radio, toute l'équipe. Ils vont repasser l'autre bord. Passe l'autre bord. OK, boys, merci. Ils partaient, ils faisaient une mission aux autres. Il faut qu'ils volent, il faut qu'ils fassent des heures. fait qu'ils ont fait passer où, où on était. Puis, à un moment donné, il dit, OK, là, qu'on va faire, on a besoin de renfort. OK, un autre, un autre hélicoptère. On, « Plante des tentes on couche cette assoir yeah yeah ah ouais non plantent les tentes euh, toute la gang on avait un petit village à côté de l'hélicoptère qui marche plus puis on a fait un crucifix avec ça puis eux ils sont habitués ils rient avec vous ils sont comme ah c'est cool c'est ça mais ça fait partie du training aussi ah ouais pour eux c'est vrai ben oui c'est l'entraînement ouais. ben oui puis euh, fait que ça leur donne des airs, ça donne de, des heures de vol pour les pilotes mais ça donne aussi des heures d'entraînement pour l'équipe qui est là c'est vraiment cool j'ai eu du fun sérieusement j'ai tellement eu du fun dit t'as déjà essayé les les night vision, les vrais. Je, non, je vais essayer ça. C'est comment? Ben écoute, tu vois super bien. Tu vois des silhouettes en blanc un peu. là. C'est magnifique. C'est les premières versions. C'est pas les nouvelles avec euh, six lunettes. C'est les, les doubles. Puis à un moment donné, j y, j y donne un sialume. Il fallait bouger. Fait que le gars, il est dans le noir. Puis il fait ça de même. <laughs> comme si, tu Fait que là, tu vois le sialume <laughs> bouger. Là, là, là moi, je ris comme un bon. mais seulement, Pierre, fais pas ça ici. Madame, elle <laughs> voit pas ça. T'sais. On l'a mis dans le show, bien sûr. Fait que, tu sais, se faire dire non, ça fait partie de la game, ouais. mais il y a des façons de contourner ça, puis de, de poser la même question, mais différemment. Fait j'aime ça. ça honnêtement, c'était un honneur de t'avoir ici. On a déjà fini? Ouais. Ça va vite, mais merci beaucoup de l'avoir. T'as la... vu ça? Ben, Denis, je ne peux pas dire assez de bonnes choses. C'était vraiment. Ben, merci ça. Je suis content de vous avoir connu en personne. Je vous écoutais avec Mike. Euh, avec les deux pauvres, pas ces derniers gouttes. <laughs> <laughs> ouais, mais non, il est habitué. Ouais, il est blindé, mais tu te rappelle que qu'en dessous de la tortue... Il y a la, la carapace, là, il y a une véritable tortue, oublie pas ça. Mais tu sais quoi? Il est, il est sensible. Il est heureux, mais non, parce qu'il ouais, est sensible encore. Mais parce qu'il a appris plein de choses. Maintenant, il sait comment faire le texte du et hey, ah, Il comprend. Oui, ouais, il fait de la droite. En, puis... en fait, après ça, j'ai des questions pour vous. Ah, il euh, n'y a pas de problème. J'ai une question pour toi. Peux-tu arrêter de me dire? Vous? <laughs> oui, ouais, je, je sais. <laughs> je vais te dire l'histoire <laughs> après, comment? avec le vous-voyez qui, qui a fait quand même un à Rimouski, mais non, il, il n'arrête pas. C'est à cause de l'école. Il est bien éduqué. c'est à cause de l'école, il fait pas ça, pour faire chier au monde. Ah, oh, ça fait pas chier. Et la juste. manière où il a dit à une madame, c'était fucking incroyablement drôle. est <laughs> incroyable. chez vous Non, c'était vraiment comme la madame était vraiment heureuse avec nous, le ouais. serveuse était contente et avait l'air jeune à cause de la conversation. Puis lui, il voulait juste manger, Elle était comme euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Madame, pouvez-vous m'amener quelque ah. chose? Comme il était vraiment dismissif <laughs> Puis, t'as ah. vu sa face a changé immédiatement. Puis, oh, ah, je commence à rêver. J'avais dit, je pense, elle a amené du pain. Puis, j'étais excité qu'elle a amené du pain. Puis, j'ai fait, merci beaucoup, madame. Genre, non, 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 mais, non, il a dit, vous, allez vous chercher comme, pouvez-vous me faire ça? Okay. Mais c'était vraiment ah, ouais, incroyable. Ouais. Ben, c'est culturel. Mais donnez tous les liens. Tous tes liens sont dans la description. Alors, si quelqu'un est intéressé, puis c'est pas déjà t'es qui, il peut mais cliquer Mais moi, je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour venir te rencontrer trois, puis lui. Parce que on se connaissait pas. Mike... Non non, puis c'était du temps parce que moi j'ai reçu plein de messages pour toi. Ça fait longtemps. C'est vrai, oh, ben, je suis ouais. content parce je... que j'ai. Je te voyais avec Mike. J'ai fait celui de Mike aussi. Euh, puis on ouais, euh, a eu du fun avec Mike aussi. Ma Mike, c'est drôle parce que euh, ça fait longtemps. que Je le connais. Il ben, moment donné. Euh, on m'a fait un bien cuit, puis Mike, m'a roasté un peu, mais il était super cool. Il m'a planté un peu, comment il fait tout le temps. Puis ah il m'avait dit une affaire, puis je suis pas vraiment, vraiment de la bullshit, mais j'ai aimé ça de l'entendre pareil. Il m'a dit quoi? Denis, si je fais de l'humour aujourd'hui, c'était peu à cause de toi, parce que tu faisais des niaiseries, la musique plus dans le temps. Fait que j'ai dit Mike, même si c'est pas vrai, merci, ça m'a fait du bien. Puis j'ai ça dans ma petite poche, dans mon cœur. Ah, T'as vu ça <laughs> Mike. Ben, merci, Denis. Plaisir. Attention à vous autres. out the latest trend I'll put some on my